and Mario have a cookie factory gone mad. Only you can help sort 'em, stack 'em, and make 'em disappear. One player, two players, or four. Yoshi's Cookie on NES and Game Boy. There, tube heads, wake up! You know that $49.95 check that Granny sent you? Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com/rétro-nouveau. Retro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 128e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Ouais! Ah, ouais! Yes sir! Je suis avec... Nick Lachapelle. Tu vas parler de quoi ce soir? Aujourd'hui je vais vous parler... Ah c'est ça, des plus belles moustaches du jeu vidéo. Chris, j'ai hâte. Wow! Ça va être écoeur hein? On va se garder. T'es rasé pour l'occasion en plus. Ouais, ben ouais, tout le monde on est tous rasés aujourd'hui. Jeff Cromp et moi ce soir je sors de prison avec A Way Out. Oh nice. Attends. Fred Jemus et ce soir je survis en vous parlant de Mystical Fighters. Papa Cassette qui a abattu Goliath à Ninja Gaiden 3. Gros jeu que j'ai mis sur ma liste et qu'il fallait que je fasse, fait que j'en parle. Pas pire, yes. Ça, ça. Est-ce que tes mains saignent? Ah non man, je vais en parler tantôt. Hein, mais... Ils sont corrects, je suis correct. T'as-tu sorti ton game? Je me suis rasé, j'ai rasé ma barbe des séries, effectivement, comme on me dit dans le chat. Couper les cheveux à midi, raser ma barbe. Propre, là, je suis propre, bien, propre, propre. Tu sens bon en plus. Ouais, ouais. J'ai mis une deuxième couche de déo en changeant de t-shirt. T'es en train de vendre ma maison puis de m'en aller. J'ai comme envie de. C'est comme un nouveau chapitre. Renouveau. Non, on a-tu la même vie soudainement? On a la même vie. On vit dans l'immobilier, dans l'attente des promesses hypothécaires puis des inspections. Il y a du stress inutile. Demain, j'inspecte mes logements. Samedi, j'inspecte le triplex. Pendant ce temps-là, j'attends que la banque me dise si je suis un hostile paumé. Qu'il n'y a pas les moyens de se payer ça. T'as-tu un complet avec un chapeau feutrine pis une petite horloge à chaîne? Ça serait hot. Rentre dans la banque en tournant ma canne. Tu t'en vas dans la caisse du fond. Ah, c'est ça. T'arrives au comptoir. Bonjour, madame. Avec ta canne à pommeau, là, tu sais. Papa hypothèque. Papa hypothèque. Papa hypothèque. J'ai hâte que ça soit fini, ce calvaire-là. Bruno Georges, je vais vous parler de God of War ce soir. Connais pas. Un petit jeu qui vient d'arriver. C'est ça, fait que... Sinon, on aimerait remercier les nouveaux Patreons. Il y a eu quand même pas mal de nouveaux Patreons dernièrement. On va s'excuser aussi pour le pre-show de ce soir. Il y a eu tous ces nouveaux Patreons-là. On s'est déchaîné. L'Internet a lâché à Longueuil en même temps que l'eau, je pense. Ouais, ben ça, c'est tous les deux semaines. On a eu notre pire soirée de connexion. Il aurait fallu faire bouillir l'Internet pour qu'il fonctionne. On se croise les doigts pour le Twitch, mais si jamais ça coupe, restez là, on va revenir rapidement. Ça devrait pas couper. Non, ça devrait on va mettre ça sur le téléphone à Jeff. Là. Si on était à la vraie télévision, il n'y aurait pas de problème. Non. Quand c'est qu'ils attendent là, ma TV là, ou je sais pas qui pour nous engager, on va en faire des beaux programmes. Hey, ça on serait sur ça, pareil. J'aimerais ça. Moi, ça serait hot en crise de calice. Oui. On voulait pitcher gentil que la télé locale, Cogeco, il y avait ça. En fait, ils attendent juste qu'on remplisse le formulaire. Ils attendent qu'on remplisse le formulaire. Sérieux. Non, mais moi, quand on ferme le Gérald de la maison, le Gérald Vidéotron, quand tu le réallumes, il ouvre automatique sur le poste de Vidéotron. Ah ouais, avec ma TV. Ouais, il y a tout un plein de programmes là-bas, quand même assez amateur un peu, tu sais, bien fait. C'est de la télé communautaire. C'est la télé communautaire, mais c'est pas mal propre. Non, parce que c'est pas de mauvais goût. C'est pas de mauvais goût, c'est ça. Marc-André Coilier est là maintenant. Mais oui, puis il y a toutes sortes de thèmes. Il y a toutes sortes d'émissions. Jay Temple aussi est à ma TV. Je pense qu'on pourrait se tailler une place. Ah, il est à vélo, là. Ouais. Je sais pas comment on va faire. J'ai des contacts avec Casa. Place de resto, là. Casa, où il se repositionne. Je sais pas comment on va faire un segway de ma TV au prochain. Il reste des choses à dire. En disant Jay Temple, je commence à avoir. Ouf. Je commence à avoir le temps qui bosse. Je sens tes chaleurs, là. Ouais, ben qu'est-ce que tu penses avec Bruno dans le fond dans ta vie, toi? Oui, c'est ça. Je ne suis plus chez El Toro Studio. Je viens de terminer mon emploi.
Puis c'est ça, c'est pas à cause de mon talent, c'est vraiment des on est parti de bon. Attends, non, mais ton caractère c'est super important. T'sais, à chaque fois que tu as conté l'histoire, tu te dis, t'sais, guys, c'est pas à cause de mon talent. Puis tu c'est important parce que quand on arrête un poste, c'est important de dire que c'est pas à cause qu'on est un cabochon. Parce que tu charges trop cher, Bruno. Ouais, c'est ça. C'est pas à cause de mes talents, c'est à cause du party de Noël. La photocopieuse a laissé des traces, elle était ouverte, ça. Ah, excuse-nous, Bruno. C'est un peu comme Ryan Johnson, il demandait trop cher. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est pas fair. Il était pas assez grand. Compare pas Bruno à Johnson. Non, mais vas-y, excuse, bref, continue avec la nouvelle tragique. Malgré ce que tous ces clowns disent, la prochaine étape de ma vie, c'est de me lancer 100% freelance, donc pigiste à temps plein. Donc, vous pouvez visiter lebrunogeorgeais.com. Ça existe maintenant. C'est beau. Merci. Très, très beau. Puis, ben c'est ça. Fait que si jamais vous avez un projet, vous voulez rentrer en contact avec moi n'importe quand, vous savez où aller. Donc, c'est ça. That's fait que Bruno cherche des mandats. De graphiste. Ouais. En général, c'est ça. TV, print, web, tout sauf de l'animation. Ouais, c'est ça. On m'associe souvent à la programmation, à l'animation à cause de, que j'ai fait beaucoup de choses en télé. Ouais. Mais je suis pas un motion designer. Je suis vraiment un directeur artistique puis un designer graphique. Fait que ce que je fais, c'est du design. Fait que dans le fond, n'importe quel projet de design qui soit sur n'importe quelle plateforme, ça m'intéresse. Puis c'est tout le temps quelque chose de bien intéressant puis de bien le fun de voir où est-ce que ça peut aller. Vous pouvez aller voir mon travail pour voir comment je travaille, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous allez découvrir à quoi je ressemble dans mon autre vie, à part rétro nouveau. Parce qu'il n'y a pas rien que ça, jeux vidéo dans la vie. Non. Fait que c'est ça. Et puis sur ce, je vais passer le micro à Dom. Oui. Qui a d'autres choses à dire aussi. J'ai réguisé mon crayon. Mais oui. J'ai commencé à écrire. Réviter ta mine. J'étais allé acheter des mines, mettre dans mon pouce mine, puis je pousse la mine en tabaslac sur le site de RDS. Oui. Parce qu'il y a une section jeux vidéo et e-sports. E-sport, ouais. En fait, c'était juste e-sports avant. Là, ils ont ajouté jeux vidéo. Donc, c'est plus généraliste. Exact. Il y a une raison pour ça et on le saura plus tard. Il y a des grosses choses qui se passeront chez RDS. Mais pour l'instant, on est quelques-uns à contribuer au site présentement, dont moi, pour l'aspect rétro de la chose. Oui. Donc, c'est bien plaisant. J'essaie d'en sortir deux par semaine. Je vous dirais que faire un 600 mots, c'est pas mal plus long que tu penses. Ah ouais. Quand tu, c'est que easy. Mettes, parce que tu peux juste parler de même. Là, ben oui, tu relis tes affaires, premièrement, pour que ça soit propre. Puis je pense que j'écris quand même bien, mais je relis tout le temps beaucoup. La syntaxe, c'est important. C'est important. Puis les informations que tu drops, tu sais, il faut les vérifier. Ben c'est oui. Ça qui est long. Puis il faut que tu fasses tes images, il faut que tu pognes tes gameplay, il faut que tu fasses ta bannière. C'est fait que 600 mots, c'est quelques heures. Je pense que là, on vient tout de gagner beaucoup de respect pour Agatha Christie. Ah oui, ouais, elle avait pas de web, elle avait rien. Des livres. Daniel Steele. Ouais, Daniel ouais Steele, ça, aucune recherche, ça y est. Des grandes de chroniqueuses du jeu. Daniel Steele. Ouais, elle a cru avec ses hormones. Dom écrit avec son cœur. Oui. Ouais. Mon ordinateur. Fait que là, j'ai comme la face qui me tombe deux fois plus, mais je suis tout le temps dans l'ordinateur. Ouais. Les mots. Ben tout ça. Mais le but de ça aussi, c'est qu'il va y avoir d'autres choses à venir, pas juste des affaires écrites. Oui. Fait que surveillez ça, dans le fond. Je pose ça sur la page de Rétro Nouveau, sur la page de Papa Cassette. Il y a même eu un gars en short qui faisait du VR sur le site d'RDS. Et oui, toi avec, Jeff, tu l'as fait. L'ami s'était ramassé aussi, fait que j'étais en short sur RDS. Je pensais pas que ça allait arriver un jour dans ma vie. Ben toi, tout ton topo là, de perdre du poids en VR. Ouais, mais la vidéo était postée, puis j'ai écrit un article aussi en dessous du vidéo pour un peu expliquer ce que je disais dans la vidéo. Exactement. Ouais, on est là-dessus. Là. Nice. Moi, j'aimerais faire du streaming aussi éventuellement. Ça va venir sur RDS. Et puis dans ton manoir. On va arranger dans mon ça. Nouveau manoir, on va mettre ça propre. Hein? Et puis, ça va être bien vendeur. Château Gourette. Yes. Ça a l'air d'un vin, mais j'achète. J'achète. Ouais. Donc, ça va être magnifique. Ouais, on dit dans le chat aussi Rétro Nouveau à RDS. Pourquoi pas? On en veut tout. Pourquoi pas? On en reparlera dans quelques semaines. Les choses se passent. C'est merveilleux. Alors, surveillez ça. À noter que ça ne change rien pour Rétro Nouveau. Non. Parce que c'est ça. Moi aussi, je vais probablement faire des critiques. Pour eux puis tout ça, j'ai écrit des trucs, mais tu sais, c'est vraiment, c'est différentes plateformes, ça change absolument rien sur le show puis sur Rétro Nouveau, même que le blog, le site, tout ça,
tout fonctionne exactement comme c'était auparavant. Fait ça. Que, on est plus. Il n'y a pas de stress. Puis moi, puis Nick, en ce moment, en tout cas, on est toujours à la recherche d'un site web sportif pour nous embaucher. On est disponible. Pas pire plume, pareil. C'est ça, non, on parle à 200. Ça, à deux, on peut faire quelque chose d'intéressant. On s'en parle. Top moustache. Top moustache. Top moustache. Top moustache. Ça, c'est vendant. Les clics, les likes. Movember, Movember va venir me chercher. C'est ça qui se passe. C'est là qu'est notre cash, notre filon. All right. Fait que je vais aligner ça sur un jeu que j'aurais bien aimé faire en stream devant les gens. Oui. Parce que je trouve que pour être... crédible. Crédible. Surtout aux yeux de ma gang de chums. C'est important d'être capable de finir toutes les Ninja Gaiden. Ouais. Et puis, j'ai fait au NES les trois. Tu les as faites juste par peer pressure? Ah oui, oui, oui. Ben, c'est tout est basé là-dessus, en fait. Tu sais, moi, mon gaming, c'est pas de plaisir. Là. C'est ouais. juste comme ta vie la pression, puis des cris, puis de la colère, puis de la honte. Souffrance. C'est vraiment juste ça, les jeux vidéo pour moi. Fait que c'est ça. C'est donc, survie. Vous comprendrez que je cerne assez rapidement. T'as mal en dedans. Et puis, ah ouais, ah ouais. Et puis, c'est ça. Fait que j'avais fait le 1 et le 2 l'année passée, très heureux. Puis le 3, ouais. il m'intimidait. Le 3 ouais. est intimidant parce qu'il n'y a pas toujours des continues. Ouais. Dans le 1 et le 2, il y en a toujours. Fait que il y a juste à la fin que c'est rushant un peu. Ben, en fait, quand tu prends un continu dans les Ninja Gaiden, tu recommences pas... Chaque niveau est séparé en 4 segments, mettons. Ouais. Fait que quand tu perds une vie, tu recommences au début du segment, mais quand tu prends un continu, tu recommences au début du niveau. Fait que ça, c'est un peu chiant, surtout pour le niveau de la fin, parce que le boss de fin, tu le tues, il y a trois formes, là, tu le refais. Fait que, bon, mais à force de gosser dans les deux premiers, ben, tu le fais, tu sais. Mais là, dans le 3, tu peux pas toujours le reprendre. Fait qu'il faut que tu recommences le jeu tout le temps. T'as pas le choix, c'est le même que tu l'as. Puis il y a une certaine cassette rouge de 150 jeux hein, dessus, ouais. 150. Ouais. Qui contient Ninja Gaiden 3, qui, puis, mais c'est la version japonaise, à ce qu'on me dit, okay. qui est beaucoup plus facile et qui a toujours des continues. Donc si vous voulez là, vous pratiquer, vous pouvez le faire là-dessus. Mais moi, je voulais y aller full American, non, vraie façon. Dis-moi la vérité, dis-moi la vérité, Dominique, on est tout seul là. T'as-tu joué ça à rouge? On est non, pas tout seul. J'ai jamais joué ça à rouge encore. Même que quand j'ai fini lui, je me suis dit, hey, je vais jouer ça à rouge, voir la différence. Puis là, j'ai juste pas eu le temps. Mais donc, ce qu'il faut savoir de Ninja Gaiden 3, c'est que, à mon avis, c'est pas mal le plus fluide et le plus agréable des trois. Ouais, ouais. Parce qu'il a rajouté des belles choses. On voit ici à l'écran, là, Ryu, Hayabusa, il y a un gros slash là, quand il donne un coup d'épée. Ouais. Ça, c'est un power-up qui est juste dans le 3. Et puis, faut que tu le pognes dans quelque part dans le niveau, là, tu sais. Mm-hmm. Puis, des fois, ça te demande un petit détour, mais je recommande chaudement de le faire toujours quand même. Parce que ça fait une très grosse différence. Puis, Ryu, il crie quand il se lâche. Ouais. Cette petite affaire-là, là, satisfaisant. Ça vient te chercher en crisse. Puis, tous les Ninja Gaiden, pas juste le 3, sont des jeux qui sont conçus, je trouve, parfaitement pour être speedrunné. Ouais. Parce que à force de recommencer... Tu te dis, OK, je perdrai pas de temps à tuer cet ennemi-là, je vais juste sauter par-dessus. C'est exactement ce temps-là. Là, je vais sauter, mais freiner mon saut pour tomber dans une craque qui fait que je vais coller là. Tu sais, comme, il y a tout le temps un chemin parfait. Puis je pense que les programmeurs le savent, puis ils en ont rentré partout. C'est du bon design. C'est du parfait. C'est ça qui se passe d'habitude. Ben, exactement. Là, le gars, c'est ça, tu vois, ils mettent des power-up aux bonnes places aussi. Ouais. Tu prends un power-up qui te rend invincible parce qu'il va te faire tomber dans une trappe de pique, t'auras pas besoin de perdre du temps avec ça. Il te donne un power-up, il te donne une attaque par en haut parce qu'il y a une affaire qui t'arrive dessus, puis comme même pas 4 mètres plus loin, il te donne un autre power-up. Tu sais, les power-ups sont placés de façon à ce que tu les utilises optimalement pour tuer tous les ennemis qui t'arrivent dessus, peu importe la direction. Fait que c'est à toi de t'habituer à ça, dans le fond, puis tous les utiliser, ce qui est très, très, très cool. Quelque chose qui avait de poche à Ninja Gaiden 1, et deux, je m'en souviens pas, c'est que les ennemis respawnaient continuellement. Juste un petit peu, là. Tu fais juste reculer un petit peu de l'écran, clac, l'ennemi, tout le monde est revenu. Ça, là, c'était chiant, là. C'est vraiment chiant. Ça, c'était chiant. Mais ça, c'est réglé dans le 3, il n'y a pas de ça. Fait que tu peux éclairer tous les niveaux si tu veux, il n'y a personne qui va réapparaître et te faire chier. Okay. Gros, gros plus. Deuxième truc qu'il y a dans Ninja Gaiden 1, je parle beaucoup du 1, c'est vraiment lui que j'ai plus en tête. C'est plus... C'est quand tu sautes, des fois, tu vois pas la corniche. Ouais. Elle est loin. C'est un leap of fate. C'est un leap of fate, mais tu sais qu'elle est là. Puis là, whoop, ils te mettent un bonhomme dessus. Tu sais, c'est une corniche large de deux bonhommes, à peu près, là. Puis il y a un bonhomme dessus. Fait que là, tu bounces dessus, tu meurs. Puis that's it. C'est comme cheap. Tu sais, comme c'est cheap parce qu'il te bloque la vue. Puis qu'un coup que t'as sauté, ben le bonhomme est là, tu sais. Mais il me semble que même en parlant de saut, le saut est différent. En troisième, on dirait qu'il est un petit peu plus flotté que les deux autres.
Il a l'air d'être moins, tu sais, moins comme clac, jump vraiment vite, tu sais. Je me rappelle plus précisément, mais ce que je me souviens d'avoir aller, fait, c'était comme... ce que je me souviens d'avoir fait plus dans le 3 que me semble je faisais pas dans les autres, c'est que des fois tu jump en allant vers l'avant. Ouais. Puis là, wow, tu recules, ouais, ton c'est jump ça, exact. Un peu, puis en slashant. Fait que tu comme tu vas vers l'arrière, tu, peux le... tu tires, ouais, vers l'arrière en slashant contrôler. Pour tuer un ennemi, tu sais, ou pogner un power-up. Effectivement, c'est quelque chose qui est très utile dans Ninja Gaiden 3. Marcher sur les murs aussi, hein. Ouais, dans le 1, tu peux pas monter sur les c'est murs. Ça. Tu peux juste, ouais, tu ressauter, gripper, ressauter, ressauter sur le mur. Ouais, dans le 2, il avait réglé ça, par exemple. Ouais. Mais dans le 3, ben, ça y va. Puis, écoute, dans le fond, comme j'expliquais tantôt, chaque monde est séparé en 4 niveaux. Et puis, ici, on voit la belle shot, là. À chaque Ninja Gaiden, il y a tout le temps une shot de même du château. Look at me, bum! fait que c'est ça. Ce qu'il y a de bien avec le boss de fin, par exemple, c'est quand tu pètes, il y a 3 formes. Quand tu pètes une forme, t'as pas besoin de le refaire. Ouais. Fait que là, au moins, il te donne un petit lousse, okay, là, à ce niveau-là. À deuxième forme, tu reviens, ça commence à la deuxième forme. Nice. Toutes les Ninja Gaiden étaient de même aussi, il me semble. Puis je trouve que, excusez, pour le 3, c'est pas trop dur comme boss, ouais, de fin, là. La première forme, j'ai trouvé que c'était la plus dure. Après ça, le reste, je trouvais ça très bien. Autre chose importante aussi qu'ils ont mis dans le jeu et puis qui donne quand même un petit souffle, c'est qu'il y a une vie par monde à aller pogner quelque part. Okay. Fait que si t'es dans la section, t'es dans le 4-2, mettons, puis la vie est dans le 4-2, puis que tu meurs tout le temps au 4-2 parce qu'il y a un site à faire, ben tu repognes ta vie à chaque fois, puis au moins, tu sais, ça te donne une pratique sans c'est que tes vies descendent. Ben oui. Puis si tu réussis à passer sans perdre de vie, tu pognes ta vie en passant, ben t'es accumules un peu, tu sais. Okay. Fait que c'est ça. Pour finir ce jeu-là, moi, j'ai joué à peu près genre 7 games, là. Une game durait... C'était long au début parce que j'allais pas trop vite, tout ça. J'explorais, puis tout. Mais tu sais, comme une bonne demi-heure, là. 40 minutes. Okay. Puis à la fin, là, à la fin, là, je me suis rendu au dernier niveau en perdant juste une vie. Puis j'ai même pas pris continue pour battre le boss de fin. Fait que, tu sais, là, conditionné. Je l'avais dans mon sang, là. Dans mon, ah oui. J'étais dans la zone parfaitement conditionné. Zone, ouais. Ce jeu-là, je le trouvais facile à cette heure-là. Mais là, bon, là, j'ai arrêté de jouer. Faudrait que je réessaye. Je sais pas s'il faut que tu joues tout ça. Le temps. Mais un coup que tu maîtrises Ninja Gaiden 3, ça devient un jeu, man. Les impôts, c'est facile. Là. Hein? Les impôts deviennent faciles après. Y a rien de challenge dans la vie, nulle part. Les impôts? Ah non, mais c'est parce que c'est chiant, des impôts, tu sais. Ouais. Ah, ça, c'est ça. On enchaîne. Je comprends bien. Mais c'est ça. Ça devient facilement un jeu tellement parfait. Le gameplay est tellement bon, tellement fluide. La musique était cœurante, ouais, bien vraiment, sûr. Les cutscenes sont magnifiques. L'histoire est comme assez deep. Un peu loufoque, là, avec cette histoire de vaisseau spatial. De ouais, ça, c'est Will, le château. Ancien. Ouais, ben, il y a le château qui est finalement un vaisseau spatial. Ouais. Mais là, le titre, The Ancient Ship, Ship of Doom. Ouais, c'est ça. Fait que. Mais. C'est peut-être de là que tient l'inspiration d'Indiana Jones. Probablement. Ça a tout fucké. Probablement. À la fin, là. Mais au début, Irene, notre fille, notre femme qu'on aime bien, elle se fait tuer par nous, semble-t-il, mais tu sais, c'est pas nous autres. Tabard, fait que ça commence avec ça, l'histoire. Là. On est comme accusé de meurtre, on essaie de blanchir notre nom, trouver qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça part en couille, puis ça s'en le va super loin là, dans l'histoire. Ça finit d'un vaisseau. Exactement, un beau vaisseau. Donc voilà, j'adore dorénavant ce jeu-là de tout mon cœur. C'est le meilleur des Ninja Gaiden, et puis c'est dans mes top jeux NES, là, maintenant, c'est devenu un jeu, man, qui me fait carrément triper, là, de par son gameplay, c'est fluide, la musique, tu sais, t'es dedans, tu te sens, là, homme, là, tu sais, c'est fun, là. Fait que pour toutes ces raisons, je donne un beau 9.5. 9! Oh, je pense, ouais. Faut qu'on se parle. Non, mais 9.5, c'était pour un jeu que je voulais faire la semaine passée que j'ai pas fait. Fait que. Fait que. Un beau 9 qui mériterait un 9.5, tu sais. Le meilleur des Ninja Gaiden, qui est un de tes meilleurs jeux du NES. Exact, 9. Exact. Puis c'est un jeu qui a pris de la valeur. Ça vaut genre 80$ loose, ça, je pense. Ouais, 80$ loose. Notez à ceux qui veulent me faire un cadeau, je cherche une boîte et un livret pour compléter ma trilogie complète en boîte. Très important, sérieux, je veux vraiment ça. Colin. Fait que non, ça vaut la peine. Il y en a qui, je vois dans le chat, le monde disait, ah man, t'es courageux, t'as-tu pris du yoga après ça parce que c'est tough, man. C'est oui, c'est tough, mais. Ça se fait. C'est plaisant. Parce que ça te dérange pas de recommencer parce que c'est bien fait. Parce que si c'est un jeu brisé, tu veux pas recommencer un jeu brisé pour chier. Le finir. Le premier est bien plus brisé. Exact. Le premier, ça me faisait ouais. chier. Mais c'est pour ça, justement. Ouais, ouais j'ai juste arrêté un moment donné. Là. Ce jeu-là, aucun prix. Fâché. Fait que c'est encourageant de le refaire. Puis avec une musique de même, sérieux, c'est juste comme. T'es dans la zone très rapidement. Wow! Fait c'est ça. Parlant de great. Zone. Parlant de parlant de zone. Oui. God of War. Kratos.
God of War, développé par SCE Santa Monica, publié par Sony Interactive Entertainment, disponible sur PS4 exclusivement. Ça va être un exclusif pour tout le temps. C'est la franchise. Pour toujours. La grande franchise de Sony. C'est quand même développé par Sony. Ouais, totalement. Mais on sait jamais, tu sais, des fois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand même, dans le passé. On a vu Banjo... Oui, Vita 2. Exact. Puis moi, je pensais que Crash, ça resterait pour Sony, puis pantoute. C'est pas à Sony, pantoute. Maintenant, c'est à tout le monde. Prenez-les. Fait que c'est ça, God of War, Kratos, donc maintenant il y a une réimagination de la franchise God of War. On est maintenant plus le Kratos qu'on connaît. Mais font-tu un lien avec les anciens jeux ou c'est comme on est... Aucun lien. Moi je tiens à dire avant toute chose que don't spoil anything. Non, il n'y aura aucun spoiler à soir dans la critique que je vais faire. Là-dedans, dans le fond, oui, il y a un lien avec ta vie du passé, mais le lien est quand même pas... énorme. Dans le sens que si t'as jamais joué aux autres God of War, tu peux quand même embarquer là-dedans et avoir du plaisir. Ben, moi, c'est vraiment l'histoire. Je vois qu'il y a des bandages sur les bras, donc j'imagine que c'est exact. Les bandages sur les bras, c'est les cicatrices de ces chaînes. C'est pas deux mondes complètement différents. Non, c'est quand même le même univers. Okay. Puis tu sais, au début, tu le vois regarder ces bandages qui fait comme... Okay. Fait qu'on comprend mais que, ouais. En même temps, il dit... Comme moi, à tous les matins, en me regardant la bedaine. C'est lui. Je marre de corps. La peinture, mais c'est ça, c'est que contrairement... Ça sonne arty et prétentieux à dire, mais c'est que contrairement au God of War qu'on a connu dans le passé, celui-là est plus justement mature dans son approche. Même là, l'affaire des chaînes que je disais tantôt avec les bandages, il va juste regarder ses bandages, il va faire comme... Tu sais, il est comme écœuré, puis tu vois qu'il y a du bagage, mais il l'expliquera pas, il dira pas... Ça, là, c'est hot, once ça. I was a great warrior and blah, 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 blah. Non, c'est fuck ça. Off. Tu connais pas l'histoire cool, avant, ça. Laisse faire. Mais tu sais, le look aussi, oui. C'est bien plus réaliste. Oui, oui, le look est rendu très réaliste. Puis il y a maintenant, la caméra est maintenant à l'épaule. Ouais. Fait que là, ça va changer le tout. Mais avant tout, je voudrais dire, c'est quoi l'histoire exactement? Vas-y. C'est qu'en fait, on commence au début, Kratos est plus vieux, évidemment. Puis il vit avec son fils Atreyu. Puis son fils et lui vont enterrer sa femme. Donc c'est ça, ils ont perdu, Kratos a perdu sa femme, son fils a perdu sa mère, puis ils veulent finalement aller répandre ses cendres, il me semble, justement, au haut d'une montagne qu'il y a dans ce monde-là. Puis c'est là que va partir cette espèce d'un simple projet. D'aventure-là. Funéraire. Puis aussi, il y a toute cette... Ah! Hein? C'était comme l'embargo du B-roll. Ouais, c'est ça, mais... Bref, il y a tout aussi cette histoire de Kratos, lui, ce qu'il est, c'est un dieu puis tout ça, puis comment les autres le voient aussi, puis comme qui le reconnaît, c'est qui ça. Sait que c'est un dieu de guerre puis tout ça. On parle quand même d'un gars qui déborde des portes en mettant des filles tout nues dans les engrenages. Exactement. Fait que tu sais, lui, tu vois qu'il y a un passé, tu vois qu'il y a justement, il est tourmenté par tout ce qu'il a eu. Il est plus féminin, sa star. Ouais, c'est ça. Puis il est vraiment, tu vois que justement, il rush, là. C'est difficile. Puis la relation père-fils là-dedans est absolument incroyable. Ça doit être beau, hein, ça. C'est vraiment le jeu où j'ai vu que la relation, ta voix, moi-même étant père, des bouts exact. Où tu pètes une coche ou des bouts où tu es triste pour ton enfant, mais il faut que tu sois ferme ou des bouts où justement ton enfant a de la peine puis tout ça, mais tu veux qu'il avance puis tu veux qu'il soit fort puis... C'est très difficile quand même à imaginer ça dans un jeu vidéo, puis ils réussissent très, 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 très bien. À un moment donné, tu trouves ça hot, t'es dedans. À un autre moment donné, t'es complètement triste et démoli par ce qui se passe entre ces deux-là. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment réussi. Fait que côté histoire, ce jeu-là, c'est incroyable. Ça va où plusieurs jeux sont jamais allés. Après ça, niveau gameplay, moi, ce que je me demandais en jouant à ça, c'est est-ce que ça va être un God of War qui va être comme les autres au final, même si la caméra est rapprochée maintenant? Ben, on sent quand même encore ce côté, justement, combo, puis tout ça, de frapper, de faire des enchaînements pour finalement réussir à battre un ennemi. Sauf que là, on a changé d'arme. L'arme, maintenant, c'est une hache. Cette hache-là a de la magie dedans, ce qui fait qu'on peut la lancer. Puis après ça, on peut la rappeler.
Donc, je trouve que ça fait un peu comme un fouet dans un sens. Ouais, ouais, mais c'est... C'est la même affaire. Là. C'est pas la même mécanique du tout. Quand tu joues, c'est vraiment ces deux feels complètement différents. Ah ouais? OK. Les chaînes puis la hache, c'est deux affaires complètement différentes. Dans celle-là, t'as un bouclier puis t'as une hache comme un guerrier. Ton bouclier, tu vas pouvoir t'en servir pour te défendre. Tu vas aussi pouvoir t'en servir pour repousser les mondes. Puis aussi, ta hache, en fait, c'est que tu vas pouvoir frapper avec un light attack, un heavy attack. Puis tu vas pouvoir la modifier, évidemment, faire des mouvements spéciaux et tout ça. Parce que là-dedans, ils ont ajouté quelque chose qu'il n'y avait pas dans les autres God of War. C'est énormément de profondeur à toute la personnalisation des armes, de ton équipement, tout ça. Ah ouais? gros côté RPG qu'on voit pas dans les images qu'on nous montre puis dans les images qu'on voit souvent sur internet, mais t'as des menus puis t'as bien des affaires à gérer. T'sais. Ah ouais. Ta façon ça, de les gérer skills, par skills contre. Tree, mettons, ouais, ou... genre un skill tree, mais t'as un skill tree, t'as tes armes, t'as comment tu veux forger ton arme, ah ouais. Qu'est-ce que tu veux ajouter dessus, t'as des amulettes sur ta hache, okay. T'as vraiment plusieurs choses. Puis aussi, une autre chose qu'il n'y avait pas dans les autres God of War, c'est ton gars qui est avec toi, il n'est pas inutile. Lui, il a un arc avec des flèches, puis il va pouvoir tirer des ennemis qui sont au loin pendant que toi, t'es en train de te battre. Fait qu'il va pouvoir un peu les assommer ou les arrêter un peu pour que tu puisses les battre. Mais il va aussi t'aider dans des portions de puzzle. Puis tu le mets jamais dans un engrenage, là. Non, tu le mets jamais dans un engrenage. Tu le mets jamais dans un engrenage. Correct, les engrenages. À Trio, puis... qu'est-ce que t'as fait? Puis aussi, à Trio, une chose qui est bonne à savoir, c'est que, tu sais, il meurt pas vraiment. Tu sais, il est là, il va t'aider. Ouais, il est pas ça. Dans tes jambes. Il nuit pas au gameplay du tout. Il est juste là pour t'aider. Ton fils. Il s'appelle la Trio, comme mais la non, band. Puis, comme Histoire sans fin. Il a passé le nom sur la terre. Il a fallu qu'il prenne le nom d'un petit gars dans le film le plus populaire au monde. Puis, Yeah, boy. Mais non, mais c'était né dans les années 70. J'ai pas envie de l'appeler Boba Fett. Laisse-moi te parler d'Avengers, là. Mais il me semble que c'est la Trio. Je me trompe peut-être là-dessus, là, parce que là, vous me faites douter, mais il me semble que c'est la Trio. Le chat va nous le dire. Bref, là-dedans, en tout cas, les ennemis sont très variés. Tu vas pouvoir les frapper, les stun, puis après ça, leur faire un finish. Les pousser d'un engrenage. Tout est dans une affaire d'engrenage. Puis il y a aussi, il y a énormément de choses dans le monde. Le monde est énorme. Moi, je pensais que c'était une aventure vraiment linéaire, qu'on allait du point A au point B. Okay. C'est quasiment un open world quand tu y penses. Ah ouais. Parce que c'est Atreus, son nom. C'est Atreus, c'est ça, merci. T'es pas loin. Puis c'est ça, puis y a vraiment beaucoup de choses à débloquer. Puis ce qui est le fun, c'est que dans ce jeu-là, on peut avancer, puis on peut découvrir des choses, puis revenir par la suite. Moi, c'est un open world qui me fait un peu penser à Tomb Raider, où t'as quand même des niveaux comme tel, mais tu peux revenir puis aller dans des raccoins où tu pouvais pas aller auparavant. Il y a de la magie, il y a plusieurs choses à débarrer de ce côté-là. Il y a des boss, les boss sont vraiment gigantesques mais comme on connaît dans God of War. On la sent, on la sent tout au long, puis on sent les... frappe en plus. Ouais, mais on sent les... Puis du frappe, puis... On sent les liens, puis on sent aussi dans le visuel comme tel, dans les lieux où tu vois, tu sens la mythologie norse. Puis aussi, certains de tes ennemis, tout ça, les tatous sur le corps, tout ça, tout est là, l'écriture, c'est là. Il y a des runes. Ah, okay. Donc, c'est ça. Puis les puzzles sont vraiment le fun dans ce jeu-là. Il y en a énormément. Puis, c'est un jeu qui est... Moi, c'est un jeu je pensais qu'elle allait se faire vraiment rapide. Finalement, tu sais, tu peux le speedrunner peut-être en 25 puis 30 heures, puis le finir au complet en 50 heures. Fait que c'est pas petit, là. C'est ouais, vraiment c'est ça, énorme comme jeu. Il y a beaucoup de side content de ce qu'on m'a dit. Il y a des sections de jeu complètes qui sont secondaires. Exact. Puis tu peux même, tu sais, tu peux faire ta game, puis complètement passer à côté de quelque chose d'incroyable, puis juste finir le jeu. Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs choses à découvrir. Puis les boss, je trouve qu'ils sont le fun à tuer autant que les ennemis singuliers parce qu'il n'y a pas un ennemi qui se bat de la même façon. Puis là-dedans, on a mis vraiment les mêmes settings qu'ils mettent dans Horizon Zero... Horizon Zero Dawn. Ils ont mis vraiment un mode histoire, un mode normal, un mode difficile, puis un mode extrêmement difficile, genre godlike. Pour justement permettre à n'importe quel joueur de pouvoir rentrer dans le jeu puis avoir du fun, tu sais, parce que maintenant c'est ça, tu sais, tu sais jamais trop. Moi j'ai joué au mode normal, puis c'est un bon défi qui fonctionne bien, puis tu es capable d'avancer quand même.
Fait que je pense que c'est ça. À histoire, ça doit juste être comme trop facile, mais c'est fait pour certains joueurs, c'est tant mieux. Comment t'as trouvé le fait que le jeu, c'est un plan séquence qui coupe jamais? En fait, oui, c'est un, oui, une question technique. Que le, oui, que merci de le rappeler. Ouais. Oui, c'est ça. Ça le plan séquence n'arrête jamais. La seule fois où ça arrête, c'est seulement quand tu meurs. Ben là, tu vas avoir un screen. Mais sinon, ça arrête jamais. Oh, ben ça, c'était bien, j'ai trouvé que c'était écœurant parce que ça, tu restes dans l'histoire à 100%. Puis quand il y a une action qui se passe, quand il y a quelque chose qui vient te ramasser de l'extérieur de l'écran, il n'y a pas de coupure, rien. Fait que t'es investi au bout. Puis tu vis des situations de très près de ces personnages-là. Fait que non, ça, c'est écœurant. Puis ça... Le jeu, j'ai jamais senti de loading non plus. J'ai jamais senti de problème technique que ça loadait des textures. Ils l'ont pas liché, là. Ça faisait plusieurs mois qu'il était terminé, ça supposément. Pas de bon sens, sérieux. Je sais pas comment ils ont réussi parce que, justement, je pensais à ma critique puis je cherchais des points négatifs. Puis à date, je te dirais que les deux points négatifs, c'est pas des points négatifs pour tout le monde. Un, il y a des fois certains personnages que je trouve qui sont moins bien rendus que d'autres. Que s'ils sont en interaction avec Kratos et Atreus, ben là, tu vas faire comment? Il y a moins de polish sur cette personne-là. Puis une autre affaire, c'est que le système d'optimisation pis tout ça de tes armes, parce que tu vas rencontrer aussi d'autres personnages, tu vas rencontrer entre autres un forgeron qui va justement t'aider avec tes affaires, tu vas rencontrer des amis, puis ce système d'optimisation-là peut devenir... hardcore pour certaines personnes, ouais, qui s'attendent juste à un jeu d'action qui vont embarquer puis qui aiment clac 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 clac. C'est pas ça. C'est vraiment, il faut quand même que tu t'y mettes, que tu t'y arrêtes, tu sais comme ok, qu'est-ce que je mets, sur quelle arme, où je mets mes points. Mais au final, c'est pas si compliqué non plus. Fait que c'est ça, ce jeu-là est très bon, il n'y a pas de faille, alors j'ai pas eu de problème. L'équipe de Santa Monica sort des patchs à tous les jours depuis la sortie. Pour régler des petits bugs en réponse à la communauté qui disent, admettons, j'ai rencontré tel glitch là-bas, tel fuck, puis tout ça. Ils règlent tout, c'est des petits pages genre de 50 Donc, megs. Le texte qui était très petit. Oui, le texte était très réglé petit. Aujourd'hui. Qu'est-ce que t'es au courant? C'était clair, ça? Ça paraît que j'écris pour un wow. TS. Mais c'est ça, vraiment, ce jeu-là, c'est vraiment incroyable pour vrai. Là. Ça n'a ça aucun sens. Tu t'attends pas à ça. Juste ce que je peux mentionner, je sais qu'on est ouvert, ouais, mais ce jeu-là, c'est vraiment, je te dirais, le blueprint du jeu que le gamer moderne single player veut. Ouais. Tu sais, il y a tous les éléments là, que tu décris, puis c'est comme, si tu fais un survey, là, si tu fais un sondage auprès des joueurs, ils vont te dire qu'ils veulent ça. Ouais. Puis ce que j'en comprends, j'ai hâte de voir ta note parce que ça le réalise bien. Là, fait que, ça le réalise très, 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 très bien. Continue, tu m'intrigues. Fait que c'est ça. Pour toutes ces raisons, je lui donne un 10 sur 10. Ah, mon Dieu! Oh! Je voulais y donner un 12. On a manqué de temps dans On a manqué de temps. J'avais pas le fun pour faire ça. Mais c'est ça, sérieusement, là, les... Wow. N'hésitez absolument pas à jouer à ce jeu-là. Puis même si vous avez jamais joué à God of War, allez-y parce que c'est un jeu important, sérieux. Je pense qu'il va changer la série pour le mieux aussi. Parce que quand tu regardes ce jeu-là, tu regardes les vieux jeux, ça se scrappe pas les vieux jeux, mais tu regardes Kratos ben, avant, puis tu fais comme... C'est tellement comme brute, 90s, là. Ouais. C'est poche, tu sais. C'est comme arcade. Il y a un gars qui tripe sur Disturbed, là. Qui est juste comme... Get out of the sickness! Ouais. Mais c'est vraiment bon. Mais là, là, je pense que tu te crains que pour rien, la vraie affaire, c'est Nintendo Labo. Là. C'est vrai. Oh, mais c'est pour un autre public. Ouais. Non, c'est une blague parce C'est-tu que tout Nintendo le monde. Labo, le proche? Non, non, c'est pas c'est juste parce que tout le monde sur Internet, à toute fois que le monde parle de God of War, ça vire en Nintendo Labo. Ah ouais, mais... Le monde sont fous sur c'est carton. Tellement deux publics, c'est justement. Pas le même public, God of War, je me disais, je pourrais peut-être jouer devant mon gars parce que je trouvais qu'il n'y avait pas tant de sang. Puis là, j'ai comme fait un finish où je tranchais la tête d'un bonhomme puis j'y fendais la face en deux après. Fait que là, c'est définitivement pas pour les enfants. Bon. Ben là, on parle de Kratos, on a parlé de Ninja Gaiden. Attends, c'est un bon segue. Ouais. En fait, on a dit qu'on allait skipper un bout avant. Je te vois t'enligner sur le segue, mais je l'ai enligné. Ouais, c'était Fred, c'est vrai. Il y a eu un changement de pacing. Allons-y. Change le pacing. Excuse. Maudit. Nick, je rentre chez nous aussi. On y va. Hey, ok, excuse-moi, Nick. Alors, pour ça, à la maison, il s'est rien passé. Et moi, cette semaine, je vous parle de Mystical Fighters. Ben, c'est quoi ce jeu-là? C'est de la colère incarnée.
C'est un beat'em up développé par Kid Corps et publié par Taito/DreamWorks. DreamWorks, c'est comme une compagnie qui chipait des jeux de Genesis. Un peu obscur avec un logo. Mais pas DreamWorks des studios de cinéma. Okay, là. C'est pas le petit gars qui pêche. DreamWorks, non, pas en tout. C'est comme une espèce de logo vraiment en lettres avec des montgolfières, si je me souviens bien. Un Pierrot la lune, là. et ça, Mystical Fighters, parce que là, il manque un S, je pense, à l'écran. Le problème depuis tantôt, c'est que tu mets des S partout. Il n'y a pas de S à Mystical Fighter. Je me suis dit, j'ai failli mettre Mystical Ninja Anyway. Je t'ai induit en erreur. Jeff, ça va t'es tout le temps parfait. Change tout. Tout t'en parle. Tout est échange. Tout est fini. Tout est là. Je suis renvoyé. Bref, un beat'em up sur Sega Genesis, dans la même lignée que Golden Axe et Streets of Rage, je dirais. Là. On est dans les territoires connus, mais bon, évidemment, c'est pas fait par Sega, donc c'est bien intéressant. Puis c'est un beat'em up qui, faut le dire, se joue à deux en même temps. Donc, c'est pas tous les beat'em up, malheureusement, qui se passent à deux dans tout le temps. À cette époque-là, non, hein, malheureusement. Ça arrivait bande souvent qu'on y chipait avec un bonhomme, ouais. Mais bon. Fait qu'on a pu y jouer au WEG, parce que c'était le WEG il y a quelques semaines. C'était difficile, le WEG. Ouais. Mais ça, c'était notre Gatorade du samedi matin. Alors, c'était passé dans ce jeu-là. Ça l'a fait vraiment du bien. On a eu beaucoup de plaisir. J'étais très, très, très prime et hyped. C'est un jeu samedi qui sort de ton hangover. C'était lui. On s'est dit, on va tapocher notre chemin là-dedans. Puis, bref, là-dedans, on joue des espèces de guerriers kabuki. Alors là, à la maison, pour toi qui se demande c'est quoi les kabuki, en gros, de ce que je comprends, c'est une espèce de forme de théâtre ancestral japonais, ouais. Ou je sais pas trop. Exact, fait que j'imagine que ça. Tu joues des marionnettes. Non, mais puis, aussi, tous les gens, les danseurs kabuki ont des longs cheveux. Exactement. D'ailleurs, vous vous souviendrez de Kabuki Quantum Fighter au NES. Yes. C'est comme un Batman, mais le gars, il frappe avec ses cheveux. C'est ça. Très bon jeu, d'ailleurs. On s'est toujours demandé si c'était la suite de ça, mais non, ça l'est pas. Non. Donc, bref. Fait que dans ce jeu-là, écoute, l'histoire, on s'entend, il n'y a pas de bullshit, là, c'est de la boîte. Donc, dans le fond, il faut que tu ailles détruire, et là, je niaise pas, le Darkseid Kabuki Master. Fait que c'est ça le nom du boss de la fin. Ça fait du sens. Ça, ça a été, c'est comme un nom trouvé dans un meeting un vendredi après-midi tard. Bref, c'est vraiment quand même intéressant pour le thème là, féodal et tout, on s'entend. C'est ça qui donne un peu la saveur puis l'unicité du jeu. En termes de beat'em up, on est quand même assez en territoire standard, je te dirais. Donc, t'as les jump, punch et tout, les affaires-là que tu peux faire. ce qui est cool, c'est que t'as des magies, t'as des scrolls, un peu comme dans Golden Axe. Donc, tu récupères des scrolls pendant le jeu et tu peux booster les magies. Donc, tu appelles les... Oui, tu peux swinger du monde. Non, mais tu viens juste de swinger Edmond Honda dans le trou. Exactement. Shot, hein? Tu les lances dans ce jeu-là, boulette canon. T'as des grabs et c'est vraiment mes grabs préférés de beat'em up. C'est genre, si tu pognes le gars à l'horizontale, tu tournes avec puis tu tapes tout le monde puis tu le swings à l'autre bout de l'écran. Sinon, ça. Tu le pognes, tu le mets au-dessus de ta tête, puis tu le garoches soit sur les autres, soit dans les pits. Parce que les pits dans ce jeu-là, c'est pas mal l'obstacle le plus difficile. Donc, c'est très, très, très satisfaisant de faire ça. On peut aussi courir puis faire un slide attack là, qui lance les ennemis dans les airs, mais le problème avec ça, c'est que des fois, c'est un peu difficile de le triggerer. Bref, c'est vraiment pas un beat'em up qui réinvente le genre, mais ça exécute vraiment bien la recette. Donc, toute la base qui est là est vraiment hyper solide. Donc, quand on punch les ennemis dans ce jeu-là, il y a comme le son strident avec de la grosse basse grave du Genesis qui rentre au poste. Puis c'est vraiment... T'as vraiment du plaisir à frapper un peu. Tu sais, tu parlais de God of War. Dans God of War, le monde me parle beaucoup de la hache qui revient, qui fait un chou. Mais ça, là-dedans, t'as comme un crrr. À chaque coup que tu donnes un crrr. C'est tellement plaisant, ce son-là. C'est extraordinaire. T'enchaînes ça, mon gars, tu t'approches des guenilles féodales comme ça se peut pas. Ben du plaisir. Wow, aussi, c'est comme des gens de diable en latex. Exactement. En termes d'ennemis, c'est vraiment super cool parce que il y a différents... Il y a quand même pas mal de différents types d'ennemis, mais ce qui est le fun, c'est que chacun des ennemis a vraiment une mécanique propre à lui, ce qui fait que t'as vraiment, on dirait, une composition. T'sais, c'est pas tous les beat'em up qui réussissent à faire des ennemis intéressants. Souvent, des fois, tu te ramasses que c'est genre, ah, ben là, t'as le bonhomme rouge. T'en as trois sortes. Ouais, c'est à l'épée, le gars qui fait son haut, puis celui qui jump. Exactement. Là-dedans, il y a une très belle variété, puis tu la comprends assez vite, puis ça crée vraiment un très bon pacing dans les niveaux. Côté niveau, là, la longueur est juste assez bonne. T'sais, c'est comme assez court pour que tu puisses te rendre à la fin pour refiler ta barre de vie sans mourir. Mais en même temps, c'est pas trop long non plus pour que tu te dises, OK, où c'est que je suis rendu, puis dis que tu te perds. Bref, aussi, ben là, on le voit à l'écran, là, à la maison, on a des boss aussi à la fin de chaque niveau. Les boss, par contre, des fois, sont pas toujours très difficiles, mais il y en a quand même qui ont des petits côtés puzzle. Il y a un boss spécialement, là, qui c'est comme une espèce de deux boules de feu qui se promènent, puis bon, trouver une façon de les attaquer sans te faire mal, ça prend un peu de temps. J'imagine que c'est mystique.
C'est très mystique et théâtral, japonais. Bref, c'est quand même un jeu, je te dirais, qui a l'air un peu court au premier essai, mais il y a vraiment une bonne rejouabilité. T'sais, nous, on l'a fait la première fois, on était game over, puis on l'a relancé tout de suite parce que c'était le pacing et tout était vraiment bon. Puis quand tu le termines, en fait, chaque niveau de difficulté te rajoute un niveau supplémentaire. Donc, tu fais le jeu à normal, tu as 5-6 niveaux. Ensuite, quand tu le fais à hard, tu as un niveau de plus. Puis quand tu finis le jeu à hard, tu débloques le mode expert. Puis là, dans ce niveau-là, tu as la vraie fin dans le château, dans le ciel et tout. L'avez-vous fait? Tu vas contre le vrai boss. Non, parce que je l'ai découvert après, mais j'ai réessayé à la maison le hard tout seul. Un peu plus difficile, c'est un... J'aurais fait le normal... seul pour me pratiquer, puis après ça, le hard à deux, mais on le fera un moment donné. Est-ce que tu as un nombre de continues X que tu partages à c'est deux? Ça l'affaire. Ça, c'est le bout, je te dirais, qui c'est est un peu plus plate dans ce jeu-là. Quand tu joues avec un pas bon, il brûle tout. Exactement. Tes c'est ça fait partie pendant que toi, tu prends deux vies, le gars, il en prend genre 7, puis tu te rends au niveau 2,5. Exact. c'est peut-être là qui est le défaut du jeu, c'est que justement, il n'y a pas beaucoup de continue, puis tu peux pas en retrouver. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai découvert après, dans mon troisième playthrough, qu'en fait, il y avait des chambres cachées dans les niveaux. Il y a des portes cachées que tu peux accéder. Puis là, ça te remplit. Puis dans le fond, ça donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages par rapport au challenge que tu as à faire. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, il y a des pits un peu partout dans les niveaux. Puis bon, le run dans le jeu, des fois, il trigger mal. Puis des fois, tu as l'impression que tu le pars par accident en avant du trou. Puis tu te tues. Ça, c'est un peu. C'est deux fois par en avant. Exactement. Ouais. Mais des fois, il déclenche pas ou bien il déclenche au mauvais moment. Fait que tu sais, il y a comme une petite affaire là qui marche pas. Mais bon, ça reste quand même un jeu extrêmement bien designé. Moi, je trouve que le challenge dans ce jeu-là est vraiment très fair. Puis comme je dis, la façon que les niveaux sont construits, tout est apprenable. Puis ça, c'est ce qui fait la différence des bons beat'em up, selon moi. Tu sais, Golden Axe, moi, je suis pas un gros fan. Moi non plus. J'aime beaucoup Streets of Rage parce que justement, Streets of Rage, il y a un bon rythme. Les ennemis, les niveaux, tu peux les apprendre. Golden Axe, c'était bon à l'arcade. Golden Axe, tu peux kicker un nain. Ouais, ça, c'est là, tout le cash était là. Tout le cash était là. Mais bon. C'est un gnome, en fait. C'est ça. Mais bref. Tu volais tout le temps ton stock quand tu dormais, c'était ça. C'est ça, exactement. Bref, celui-là, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Les niveaux, comme je dis, ils s'apprennent. Il y a une très, très belle variété d'ennemis. Puis le jeu est quand même assez beau visuellement. Puis la musique est le fun. La musique est un peu redondante par moment, mais tu sais, c'est vraiment entraînant. T'as le goût de casser des gueules. Ça n'a rien à voir avec des gros thèmes japonais en passant. Ah, c'est ça. Il disait, entre autres, que Kabuki est la représentation traditionnelle du théâtre japonais. Bon, c'est ça. Ben, en fait, c'est un peu... Peut-être que dans les niveaux aussi, il y a comme des paravents, des trucs qui rappellent un peu le théâtre. Bref, je suis pas trop sûr de c'est quoi ce setup-là. Quand même très joli visuellement, puis c'est bien plaisant. Bref, c'est pour les amateurs de beat'em up qui ont un Sega Genesis, qui ont aimé Golden Axe, qui ont préféré Streets of Rage, c'est un jeu qu'on connaît pas toujours, qui est un peu... Je dirais pas un hidden gem, mais c'est pas loin. Il manque un petit oomph. Moi, je pense qu'il manque juste un petit oomph à ce jeu-là pour dire ça, c'est vraiment hidden gem must play. C'est un très bon jeu. Si vous tombez là-dessus, attrapez-le. C'est un jeu, je pense, qui est complet. Ça coûte en bas de 60$ sur la cartouche. Je le veux au bout. Dans les 20-30. Mais bon, si vous trouvez ça pas cher, ça vaut la peine. Relancez-vous là-dedans avec un ami. Bref, pour toutes ces raisons, je lui accorde un beau 8 sur 10. OK. Donc, un bon pitement. La visite, c'est un 8 de Fred. C'est ta meilleure note de l'année. Ouais, c'est ça. Attends, mais c'est quoi mes autres jeux que j'ai fait? Non, j'en ai rien une pas pire aussi. Non, mais moi, c'est comme j'ai dit, on n'est pas sur la même échelle. Moi, je suis sur l'échelle où c'est que 5, c'est moyen. Moi, 5 sur mon échelle, c'est moyen. Puis en bas de 5, c'est là que tu commences à être pas bon. T'sais, c'est pas comme 5, c'est le pire jeu de l'année. Puis genre 7, c'est moyen. Et un 8, on sait. Mais c'est correct. Ouais. Moi, j'ai... copyright. JF, ce coquin, il avait préparé son. Puis juste avant copyright. Bon, mais bref. Nice. Même un Hyundai au raisin en plus dans le jeu. c'est ça. Hey, écoute, on tape des guenilles bizarres. Bon, mais guys. Le non, jeu fait vidéo. Fait que c'est l'or gris, là, je pense. Ouais, attends, non, c'est Dom qui... On va parler... Pogne pas les nerfs, Nick. Pogne pas les nerfs. On va parler exactement de ça. Tiens, dans le fond, là, c'est le segway parfait. Nice, merci. Dom. C'est le segway parfait. Rendu où, là? Wow. Fait que, des chips pour calmer les le jeu vidéo, c'est un sujet qui soulève beaucoup de passion. Et jouer nous met dans une espèce de transe seconde qui pourrait, des fois, se matérialiser en rage. Ouais. Et où en amertume. Tu parles, hostie. Mais voyons là, donc. Ce qu'on va parler ce soir, c'est vous autres, les gars. Est-ce que vous êtes enragés des fois en jouant? Faut dire oui. Moi, je est dans le salon. Faudrait pas qu'elle vienne parler parce qu'elle va dire que je m'enrage plus que ce que je vais dire. Pour réformer la porte.
Tout le temps. Je prends les nerfs tout le temps. Là. Ah ouais, t'es tout le temps fâché, toi. Pas tout le temps, là, mais je pogne les nerfs assez rapidement dans des jeux. Ça dépend lesquels types de jeux, ouais. Là, mais ça va arriver que je pogne les nerfs. Moi. Pas online, par exemple. Le moins possible. Ouais, ça, c'est pire. Sauf si je joue à Apex Construct, mettons, là, en VR. Ça, c'est sûr que je sac pendant 8 heures online. Là, mais... Hey, ils sortent une version box. Je sais, je voulais pas en parler. Ok. Ah ouais. Fin de la parenthèse. Mais non, mais ouais, je pense que t'as tracé la ligne dans le centre qui est importante. C'est péter une coche dans ton salon contre ton jeu, c'est acceptable. Tu sais, je pense que tant que tu laisses personne, tant que le chien il s'en remet, tout est correct. Mais online, moi, je pense que quand tu joues en ligne sur Xbox Live, puis que là, t'as comme un. On va se le dire, un petit Chris qui pogne les nerfs ou quelque chose. Tu sais. Moi je reste. Fuck your mother. Je vais débrancher mon micro. Je vais brancher mon micro, mais si je vois que tu pognes les nerfs, il y a des bonnes chances que je passe les prochaines 15 minutes à m'assurer que tu ne dépognes pas les nerfs. Ouais. C'est genre, si tu chantes que j'ai fait de quoi d'imbécile, c'est ce genre-là, là, tu vas t'harceler la personne. Ouais, c'est sûr que je vais aller déposer une grenade. El Gemuzio. Ah non, j'ai reçu un. Moi, j'avais. Allez voir El Gemuzio. Jadis, patate 92, t'es next, mon ami. Ah ouais. Ce qui est très drôle, c'est que jadis, j'accumulais les messages de haine reçus sur Xbox Live et c'est surprenant. Tu captures des captures écran comme moi, je fais. Non, je les ai perdus, mais je recevais souvent des messages qui me traitaient de fucking Mexican parce que mon nom, c'est El Gemuzio. Fait que j'étais comme, c'est bien ça. Non seulement t'es pas bon aux jeux vidéo, mais en plus t'es raciste. Merde, c'est comme, ça va bien. Ben en ligne, tu sais, moi je trouve. Moi je fais super attention parce que genre, j'associe beaucoup le sport, la compétition au gentlemanship. Ben pis, oui, c'est ça qu'il faut. Tu sais, pis c'est l'affaire que je trouve qui existe plus, tu sais. Ouais, exact, non, mais tu sais, moi je joue pas mal à Street Fighter en ligne, pis des fois perdre ça écœure. Mais tu sais, l'affaire qui me fait le plus pogner les nerfs. Les rage quitters. Tu sais, genre, soit un homme, tu joues une partie, la personne perd. Puis là, t'as des points à la fin. Puis, tu sais, genre, il se déconnecte juste une seconde avant que ça finisse la game. Tes points. Exact. Ouais, là, lui, il en perd plein, mais ça ne dérange pas parce que t'en as pas. Pas bon. C'est chiant, mais je trouve ça tellement drôle. Là. Écoute, c'est dégueulasse. Il y a des streamers. Il y a des streamers qui font juste ça, même, puis ils font du cash comme de l'eau. C'est clair. Tu sais, c'est des petits. Moi, je trouve, hey, soit un homme. C'est horrible. Et ou une femme d'honneur. Père, tu sais. Ouais. Père, mais assume-le puis sois meilleur la prochaine fois. C'est comme... exact. Mais toutes ces valeurs-là des Olympiques, c'est sûr. Moi, je pense que d'ici genre 25 ans, aux Olympiques, tu vas le droit de cracher dans la face au gars à la fin de la course. Le battre, tu sais. T-baggy, le gars que t'as battu. Exact, c'est ça qui va arriver. T'sais. Ça va être horrible, mais tu sais, le e-sport nous amène là, tu sais, la rage. En ligne, c'est terrible, c'est incontrôlable. Mais c'est comme bien ça vu, tu sais. Je veux pas dire, y aller. Ah ouais. Si t'écoutes les moi, je suis triggered. La minute que quelqu'un m'agresse, genre, sur Internet, je suis triggered, là, j'en dors pas la nuit, j'ai envie de tuer. Imagine, si je jouais online. Alors, moi, c'est pour ça que je joue pas online, en fait, parce que je tombe tout le temps sur des expériences comme ça aussi. Où, genre, là, je suis comme, hey, c'est pas pire, finalement. Puis là, un moment donné, il y a un petit cul qui arrive. What the fuck is your problem, man? You don't know how to play. Mais là, il tue. Oh, j'ai-tu besoin il de ça, sur ton moi, dans ma vie? Tu sais, non, mais c'est ça, mais c'est juste genre d'avoir de. Tu sais, toi, tu t'en vas jouer à un jeu vidéo pour te détendre, pour avoir vie, du fun, ou pour échapper vie, justement pour oublier tes enfants qui font « Ouais, merde, ouais, c'est ça! Puis là, t'as un kid que, genre, le tiers de ton âge qui s'en vient t'écœurer, toi! Personnellement, tu sais, moi, à un moment donné, je suis tanné. Je fais juste ça, ok, ça vaut juste. En VR, c'est le fun parce que tu le vois, les enfants sont comme une tête plus bas de toi tout le temps. Fait que eux autres, t'as un peu. Ça, c'est drôle. Oh, ouais, ça. C'est vrai en plus. Aïe, aïe. Mais moi, sinon, en solo, ça m'arrive, genre, de pogner les nerfs, mais tu rages contre toi. Fait que des fois, le son sort pas tout de suite. Moi, ça m'arrive, des fois, je fais comme, voyons, calice. Voyons, tabarnak. Oh, crush. Puis là, tu rages, mais à un moment donné, ça fait, on dirait que ça fonctionne. T'sais, tu passes ta rage, puis après ça, tu passes au bout où t'es juste comme... Tu ravales ta rage? Ouais, tu ravales ta rage, puis t'as mis dans le jeu. Que moi, ça me fait exploser. Tu sais, moi, généralement, honnêtement, c'est non, rare moi, faut que je crève l'abcès à un moment donné. Moi, genre, si je suis rendu dans un jeu que je me suis investi, puis je suis rendu, mettons, passé 60%. 60% du jeu de complété, là. Ouais. Là, c'est sûr que je vais essayer de le finir, ouais. Tu sais. Puis généralement, sinon avant ça, comme quand ça commence à me faire pogner les nerfs, je le ferme. Je suis pas capable de jouer un mauvais jeu, on s'entend. Ouais. Là.
Non, moi aussi, mais Chris, tu sais, quand je le sais que je vais y arriver, là, mais c'est genre, c'est mal fait. Tu sais, je parlais de Flintstones l'autre jour, là. Ouais. Tu sais, que le petit maudit bout avec le jump, ça m'a fait pogner les nerfs. J'ai gossé pendant une heure, mais Chris, c'était l'avant-dernier tableau. Je peux pas arrêter là. Exactement. Là. Ouais. Tu le finisses. Même chose avec Wolfenstein 2. On en a pas parlé de ça, ouais. Mais bon, tu sais, Wolfenstein 2, on parlait de la difficulté du jeu qui était un peu humiliante parce que dans le fond, ouais. Si tu joues au mode normal, le jeu est vraiment difficile. Puis on te force à aller choisir des modes de jeu que c'est genre comme, tu sais, c'est genre qui te demande pratiquement de signer ici pour dire que t'es une mauviette. Là, you're a little baby. C'est ça, exactement. Don't hurt me, mom, je pense. C'est ça que ça s'appelle. Moi, je voulais pas baisser la difficulté de ce petit jeu-là. C'est pas vrai que tu me dis ça. T'es trop fâché. L'honneur, man. Puis écoute, il y a des moments où j'ai pété ma coche quand t'es dans la tour à New York où t'es comme dans un espèce de niveau ouvert à 360 degrés. Puis t'as juste du monde qui te rush de partout. Puis c'est comme, ça te prend deux balles mourir. T'es comme. Ouais. Sérieusement, guys? Ouais. Sérieusement? Puis là, tu sais, t'as essayé de viser. Mais toi aussi, c'est ça, le fait que tu fasses des jeux, ça fait aussi que ça change ton mindset quand même pour certaines choses aussi. C'est sûr que quand je vois un petit défaut, tu sais, comme dans ce jeu-là, il y a un petit défaut que je trouvais, c'est quand tu tombes en visée, en mode visée, tu sais, comme en... qu'on appelle en aim down sight, là, quand t'es en Call of Duty, que tu t'en vas vraiment puis tu vises avec le crosshair. Ouais. Ben, dans ce jeu-là, souvent, ça fait que tu vises au-dessus. Tu vises avec le visou. C'est ça, avec le visou, en mode visou. Le réticule, qu'on dit. Avec le réticule, ça fait souvent que tu tombais puis tu snappais au-dessus des ennemis, ce qui faisait que ce mode-là était complètement inutile. Puis là, t'es entouré, puis t'essayes de viser un ennemi, puis tu te ramasses toujours à tirer au-dessus de sa tête. Ouais. C'est-tu que ça me faisait capoter? Ça, c'est chiant, tu sais. Ah. Moi, je pense qu'on peut pas parler de rage dans les jeux vidéo sans parler de Mario Kart, tu sais. Pour moi, là, c'est le numéro un jeu le plus frustrant du monde, c'est Mario Kart, parce que... spécialement depuis qu'ils ont introduit la carapace bleue, là. Cette affaire-là, c'est liable. Tu fais une belle course, ça va bien. Tu sais, moi, j'avais joué un petit peu en Wii Online, Wii U. Tu sais, ça va bien. Tu fais, oh man, parfait. J'ai pogné tous les tours. J'ai slidé aux bons endroits. Là, cette affaire-là, ça t'arrive d'en face. Ça anéantit complètement ta course. Tu viens de gaspiller 5 minutes de ta vie, man. Ouais. Tu te ramasses derrière. Wow! Tu joues pas de passe. Mais comme... tu peux la déliter maintenant. Tu peux la détruire. Mais tu peux l'enlever, mais en même temps, c'est pas l'expérience complète. Ouais. C'est ça. Tu sais qu'il y a même la roue. Non, mais avec la boîte, là. Ah, tu oui. Power-up. Tu peux aller si tu as exactement ce qu'il fait. Pas sinon, une étoile. Tu sais, sinon, la mère de toutes les gueulages, c'est Rainbow Road. Dans, l'original. L'original. Tu fais juste accrocher ton ami, le regarder tomber. T'es comme, excuse-moi, bro. C'est comme fini, amitié terminée. Mais moi, tu vois, ça me trigger. Moi, en coop comme ça, je suis bon perdant. Moi, je trouve ça drôle. À la limite, si tu me bats d'une façon vraiment humiliante, tu sais, comme Mario Kart, ça fait longtemps que j'ai accepté que. Les dés sont tronqués, là. Tu sais, je veux dire, on le sait très bien. En fait, c'est des dés, là. C'est ça. C'est genre, écoute, il y a comme 60% de talent puis 40% de chance, on s'entend, là. Ouais. J'avais failli gagner un tournoi à Mané Arcade Montréal. C'est la preuve que c'est pas sérieux. C'est la boisson qui rentre en jeu. Ouais, c'est exact. Ça. Ouais. Mais, tu sais, ça, je trouve ça drôle. Moi, à la limite, si tu me bats puis, tu sais, d'une façon vraiment humiliante comme ça, je vais trouver ça drôle, tu sais. C'est. Je suis bon perdant. Moi, je trouve ça, c'est tough. Cette expérience-là, là, d'une carapace bleue à, mettons, je sais pas, 10 mètres de la ligne d'arrivée, là, c'est très, très je pense que la seule affaire vraiment en multijoueur qui me tape le plus sur les nerfs, ça, c'est un coup pour vous ce soir. Vas-y. C'est jouer avec du monde à Rock Band. c'est l'expérience la plus frustrante. T'as toujours, y a toujours quelqu'un qui pousse pour que tu joues sa toune. Puis là, il pousse pour jouer du drum. Puis là, il prend le drum. Puis là, il met toujours une coche trop dure. Puis là, il part la toune. Puis là, la toune que t'aimes. Puis il est pas bon. Puis il a scrap. Là, y a pas de drum. Tu joues, puis t'as pas de drum. Tu sais, Mané, c'est cool. Ils ont mis un mode genre no fail. Chance. Mais c'est pas grave. C'est dull en tabarnak jouer une toune, pas de drum. Tu sais, parce que t'as comme un gars qui tape. Ça me gosse. C'est ça, comme ça être dans un vrai band, man. C'est ça. C'est pareil. Exactement. Là, va l'avoir. Non, tu l'auras pas. Est-ce que tu voulais saluer ton ancien drummer de Carico Manipulation? Non, il était bon. Il était bon, mais c'est vrai que ça arrive qu'il y a tout le temps quelqu'un qui veut avoir plus de talent et plus de reconnaissance, puis ça scrape tout le reste. Ça marche pas, tu sais. Non, ça marche pas. Puis tu sais, Rock Band, c'est des classiques du rock, tu sais. Tu les aimes, là. T'es comme, pour être dans la fantaisie, faut que t'aies l'impression d'être Gene Simmons ou whatever, tu sais. Puis là, t'as quand même l'autre gringo en arrière.
Mais sinon, moi, une de mes plus grandes frustrations, c'est dans Load Runner, quand t'as juste pas le choix de tomber dans un trou puis de te voir enterré avec ton bonhomme qui check à gauche et à droite sans arrêt. Là. C'est les jeux NES ou les jeux rétro dans lesquels c'est... faut que tu te suicides. Est-ce que tu peux sur le reset, comme dans Wrecking Crew, quand il y a un Barry qui tombe sur la tête. C'est terminé. Ta partie est terminée. Le jeu, il arrête même pas. Là. T'as juste Barry est là, tu vois tes yeux au travers et c'est fini. Un jeu qui génère vraiment beaucoup de rage, c'est Binding of Isaac aussi. Là. Ouais. Tu tapes comme 4-5 tableaux, c'est comme « Ah, j'ai plein de power-up », là, t'arrives, tu pognes un coffre à la fin, pouf! Plus de vie, plus de power-up, un cœur, let's go, va mettre le boss. J'ai pas aimé, moi, ce jeu-là. Il y a une twist à comprendre puis à, pour l'aimer, mais je comprends le monde qui aime pas ça, par contre. Jeff, il est passé de l'autre bord. Moi, Zeph m'a converti au WEG à Binding of Isaac en me l'expliquant, puis je suis comme « Ok, je suis pogné avec ce maudit jeu-là qui est à la Switch maintenant. » Ouais, juste à ça, j'aimerais l'aimer, puis j'ai pas assez joué. C'est tough pour elle. Je l'avais sur Vita, puis j'ai. On a dit des. C'est rough. J'avais Rogue Legacy en même temps, fait que. Tu sais, comme Chris, Rogue Legacy, t'en gardes. Ça parle que la carapace bleue existait à Super Mario Kart au Super NES. Non. Non, c'est au 64 qui est arrivé. Non, c'est au 64. La rouge, la verte au Super NES. C'est ça que je me dis moi aussi. À moins que c'est un secret que personne n'a jamais découvert. Il y a un glitch à une place. On dit plus loin dans le chat qu'il y a sorti. Miyamoto dans le chat. Nintendo 64, la bleue. Ouais. C'est ça, je connais. C'est ça. Mais ça, c'est terrible. Mais tu sais, moi. Mario Kart original, ça a commencé loin, là, mon histoire là, avec ça. Puis, il me faisait tellement frustré, mais la musique de Ninja Gaiden. On n'avait pas les moyens d'avoir des manettes à tout le temps. Fait que là, j'ai lancé dans le divan. C'est ce que, c'est ça. Ouais. Ça marche encore aujourd'hui. Je le fais encore. Moi aussi, dans le divan, coup, c'est mou, man. C'est comme, tout se fait. Tu mais frapper un sofa, c'est génial. Ah ouais. Attention, pas si t'as un chien. Puis ton chien est en dessous. J'avoue qu'à Wolfenstein, une couple de fois que j'ai failli perdre mon amitié à tout jamais avec... Ton chien t'a brisé le lien. Bon, tu sais, le chien, quand tu punches à côté à deux pouces de sa face, ouais. Là, il est sûr qu'il a fait de quoi. Ouais, c'est un chien, voyons donc. Excuse-moi, man, je sais pas ce que j'ai fait, mais je m'excuse, please. Je le fais mais plus. Moi, je tape sur mon... Mon ah ouais. Sur, ma chaise. Je joue sur ma chaise ordi. Ah sur ouais. Les cuisses, des fois, pour plus de douleur. Ça me calme plus vite. Pendant un moment, je mordais mes manettes. Ouais, ça, c'était le fun. La NES Max était parfaite pour ça. Ouais. Je d'ailleurs, sais que vous aimez pas la NES Max, là, mais eh, bon pour mordre, mais il y a une section génial. Tu peux te mordre sur le doigt, c'est ici. Oui, tu peux le mordre à l'infini. Pas là. Pire. Pas ouais. Là, je donne des trucs. T'as comme moins de nerfs de douleur là-dedans, c'est vrai. C'est juste de la peau morte, quasiment. Ça sert à rien. Allez, plus proche de la caméra. Ouais. Si, Dom, monte ou mort. C'est bon pour tout, là. Genre, tes enfants sont tannants, tu meurs dans les jeux vidéo. C'est comme un stress de la job, tu sais. Comme, le trafic. Ouais, le trafic. Tu te fais couper. Tu sais, comme tu pensais manger des pogos pour souper, puis y'a pas de pogos. Oh, tu voulais des pogos. Des céleri. Mais là, moi, je suis tout le temps en train de faire. Moi, je trouve que là, on en parle, c'est anecdotique, c'est le fun, mais avez-vous des trucs, vous autres, pour vous calmer? Non. Arrêtez de jouer. La cocaïne. Moi, c'est pour moi, je vais. Chiller. Moi, mon meilleur truc dans les jeux vidéo pour tout genre de frustration, c'est de me lever de bout. Moi aussi. C'est ça que j'allais dire. Et voilà. Moi, je me lève. Tu crisses la manette dans le divan, tu te lèves de bout, tu fais 2-3 Mais ronds, c'est comme hein. Le travail, de toute façon, si t'es assis puis tu trouves plus d'idées puis ça marche pas puis ça avance pas, lève-toi de bout, tout va revenir. Tu vas t'acheter un café. Mais moi, tu vois, je fais comme toi. Moi, ce que je fais, c'est vraiment étrange. Je me lève. Puis je m'en vais à l'autre bout de la maison, puis je regarde par la fenêtre de ma chambre dehors. Là, j'ai l'air de vérifier mon terrain. Là, t'es comme, hey, tu pourrais faire autre chose, hein, c'est ta ça. Vie. Non, on y retourne. Là, tu reviens, puis là, tu regardes, t'es comme. Ouais. Moi, sérieusement. Ah ouais. On est sur la fin. Ben, je fais des. Je fais pas de yoga, mais je fais des fausses respirations de yoga. J'inspire profondément. Deux fois, la manette est dans le divan. On prend une petite pause, on revient. Ou on fait juste sacré jeu-là, puis on joue plus jamais. Ouais. Ça peut être ça aussi. Non. Vraiment. Des fois, j'oublie que je respire. Je sais pas si ça fait ça. Ouais. J'oublie de respirer plutôt. L'apnée du gaming. Non, mais ben, pas juste en gaming. Ben, sûrement en gaming, je m'en rends pas compte, mais en travaillant aussi. Mettons, je fais deux fois. Là, d'un coup, je suis comme demain, puis je m'en rends pas compte. C'est ma blonde qui m'a fait remarquer mais ça. Ouais, puis là, après, je suis comme. Oh, pas des respirer. Eh ouais, exactement. Ça il prend les terres, le gars. C'est comme into là, le shit là que je respire par séquence. Faudrait que tu fasses comme dans Memento, tu tatoues respire sur le bras, c'est vrai les gars. Eh ouais. Check ton bras. Ah. Ou si t'es emo, don't forget to breathe. Ah ouais. Hey. All right. C'est cette blague. Ouais, c'est sur cette blague on peut passer à la pause. Ah ouais, on est rendu à la pause. Bravo. On est pas le bon. Mauvais son effet quand même.
Je suis désolé. Bon. Ben, hey, merci aux gens qui ont customisé ton soundboard pour moi. J'aime ça. Non, j'ai plein de sons que je mets dans votre podcast que je peux utiliser ici. Ah, c'est génial. Voilà. Mais bon, on s'en va en pause et puis on va revenir avec la deuxième partie. Deuxième partie. Même en même poste. Konzentriere dich, denn die Zukunft beginnt jetzt mit Super Nintendo 16-Bit Power und immer neuen unschlagbaren Superspielen. 3D-Grafik, 360-Grad-Turns, 32.000 Farben. Nie zuvor waren die Effekte verblüffender, die Spiele heißer, die Gegner gefährlicher. Bist du gut genug für Super Nintendo? Dann hol's dir! Nintendo, I want it all! Jackson's Moonwalker video game, only on the Genesis system by Sega. Hello and welcome to the Caveman Games. Let's go down to the mate toss. Grub spinning his mate. Thrower! Nice bounce, Crudla. Sounds like it's time for clubbing. There's the finger fake. Yes! Sucker! Now for the dino ball. Eat him! Eat him! No post-game interview there. Caveman Games for the Nintendo Entertainment System. You get beaten, you get eaten. You mean you have an Atari video game system, but not Atari Missile Command? Well, then you must have Defender. Great game. Or a challenge like Star Raiders. What about Yar's Revenge? Well, you gotta have Berserk, right? And Atari Space Invaders, a classic. You don't? Come on. An Atari system without those games? That's like having a stereo with no hit records. Gotta go. Hey, guy, you're the first serious gamer I've seen all morning. Check this out. Brand new 16-bit Super Nintendo with Super Mario World. Wow! Oh, what's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors, huh? Wow, Sonic's fast, too. No, over here. I like Genesis, and it costs a lot less. Wait, kid, that game I'll take Sonic and Genesis. I knew that. Sonic the Hedgehog. More action, more speed. Sega Genesis, it's a whole lot more for less. Planet Earth. A scientist creates the ultimate machine. At last! A machine that will give him the power to journey into the Mega World. With thousands of colors, 16-bit graphic technology, and 10-channel Mega Stereo sound. The most advanced video game system in the universe. Yes! Mega Drive from Sega. You wanna play Berserk? You're on. Hey, where are you going? The video arcade! You can't play Berserk at home. Now you can. Atari! It's Berserk inside an electric maze, where robots shoot with electric rays. Take that, Turkey! So look out, don't get trapped, or you might get zapped. Berserk is here from Atari. Can you beat that? And only for systems from Atari. Have you played Atari today? Legend of Zelda continues. Defeat your enemies. Save the kingdom. Use your sword. I cannot help you. Zelda! Find the crystals. Rescue the princess. Zelda 2, The Adventure of Link. And now, get into the latest Nintendo games. Ghostbusters 2 and Iron Sword. Only from Nintendo. Now you're playing with power. Up to you. You've got to blast your way deep into enemy territory. Sky Shark, the incredible arcade hit.
Now available for the Nintendo Entertainment System. Sky Shark from Taito, the only game in town. Available where your favorite video games are sold. If you really want to get into the game, get Tengen RBI Baseball. The only video game licensed by the Major League Baseball Players Association for your Nintendo. It's you and the pros for Roger Clemens Jr. Flash Vince Coleman the steal sign. Let him swing for the fences. It's going, going, go! RBI Baseball, the one the pros pitch. Ready, aim, punish. The Punisher for Nintendo. Explosive arcade action. State-of-the-art weaponry. Got the guts? The Punisher for Nintendo from LJN. Everything's a target, even you. Double Dragon 3, the ultimate in NES martial arts action continues with all new weapons, characters, and street fighting moves against the world's most awesome villains. Double Dragon 3 from Acclaim, the action keeps coming. Hear the sounds. Razor-sharp adamantium claws make when they extract their revenge. We're here. Marvel's X-Men on Sega Genesis. Il faut du temps et de la patience pour brasser Brador. Prenez donc le temps de la savourer. Brador n'a plus que bière. Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want you play. Quand Jean-Gérald se compte comment il trouvait son chemin plus facilement, nous autres on lui a dit, toi, t'es un gars capable. Il est capable. Jean-Gérald a dit, c'est plus facile qu'avant. Je me rends au camp en deux temps, trois mouvements. Là-bas, 50. En fait saveur, en fait douceur. Les gars, ça tient. Et tu feras donc. Une bonne 50, ça fait son chemin. Toi, t'as 50, tu l'as l'affaire. Nintendo, a quick-loading cartridge system with over 60 of the hottest titles ever. Games like Batman, a life and death struggle to end the evil Joker's reign of terror and save Gotham City. Games like Super Mario Brothers, a battle to rescue the Mushroom Princess from the evil Koopa Turtles. Go for the joystick for extra control, or go to infrared for remote control. The hottest games are on Nintendo, the world's number one game system. Class, tonight's homework assignment is spot levels 1 through 5. Class Silver Surfer, levels 3 through 8. Pay attention to the evil magic warriors, Mephisto, Emperor Reptile, and the rest. Your assignment is find Silver Surfer and spot at these stores only for Nintendo. Master Higgins is back in Adventure Island 2. This time, he's not alone in his quest to save his beloved. Various prehistoric friends will help Higgins defeat his fiendish foes. Adventure Island 2, the premier action adventure game. By Hudson Soft. Vous voulez voir la télévision de demain? Alors, faites un saut dans le futur.
et posez votre regard sur le nouveau monde de la télévision haute définition. Elle est jusqu'à 900% plus claire que votre écran actuel. Et Future Shop tient toutes les marques reconnues comme cette télé Toshiba haute définition 50 pouces à seulement $3199. Alors, soyez de la partie et faites un saut maintenant. Future Shop, vous enrichissez de votre futur vos réserves. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle a mis le chat dans le bocal à poisson et planté du maïs dans la tête de son frère. Elle en a des idées. Ensuite, elle a fait un trou dans le toit pour les papillons. Pourquoi pas? C'est pas tout. Elle a démonté tes enceintes acoustiques pour en améliorer les sons. Je sais vraiment pas où elle prend son imagination. Moi non plus. Mais je vois qu'elle sait bien s'en servir. Super Mario Paint, le pouvoir de créer exclusivement avec le Super Nintendo. On va revenir comme ça officiellement. On écoutait les annonces. Caroline, on était une belle annonce de Mario Paint. On était partis des annonces. Pour ceux-là qui écoutent en audio, là, je ne sais pas si vous avez déjà écouté en vidéo, mais pendant la pause, il y a plein de pubs nostalgiques. Un travail de incroyable que Jeff a fait. C'est jamais les mêmes pubs, je sais pas si vous avez remarqué. C'est les mêmes qui vont revenir des fois, là, mais c'est pas dans le même ordre. C'est un travail colossal. Parlant de travail colossal, à noter aussi qu'à tous les jours sur notre Facebook, il se publie un item d'archives. Oui, à 4h30. N'oubliez pas que depuis, on fait du stock depuis 2011 à Rétro Nouveau. Ouais. Jeff a décortiqué et ramassé plein d'affaires, puis il colle ça sur les internets, sur Facebook. Exa. À 4h30 à tous les jours. Et pendant combien de temps? 2 semaines? 1 mois? C'est tout le temps. C'est en continu. Ah, c'est... tu le fais jusqu'à la fin des temps. Le lendemain, quand je publie l'épisode en fait, du podcast séparément, je le poste à 11h30 à tous les jours. Puis je prépare aussi les archives à 4h30. Fait que 2 contenus par jour maintenant à Rétro Nouveau, du lundi au vendredi. Et puis le samedi, ben c'est le « À quoi jouez-vous en fin de semaine » qu'on veut savoir. Ben oui, exact. Parfait pour grimper les likes de la page. Et voilà. Et puis, tu gâches tous mes secrets. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis un influenceur. Tu ouais, c'est ça. Tu partages mes trucs. Ouais, mais là, tu sais comment ça te fait être bumpé, toi, là. Tu as donné tes trucs à tout le monde. Ah, tu sais comment ça marche, les gens. Bon. Fait que... C'est à moi. Ouais. Ouais, ah c'était oui. toi. Ouais, okay. On a swappé, moi. Non, tabarnak, c'est donc mélangé. C'est la soirée du soir. C'est free for all ce soir. Jette-moi cette feuille. On suit plus et... Fait que je vais faire ce soir de A Way Out, développé par Hazel Light Studios et publié par EA Electronic Arts, disponible sur PS4, One et PC. Et c'est un jeu qui se joue uniquement en coop. Donc, coop local ou coop, dans le fond, online. Je vous suggère fortement de jouer en coop local sur un divan. Je l'ai joué au WEG avec Matt Bonnet de Divan Quest. Oui. Et puis on l'a fait en... On appelle en... vraiment sur le divan? Oui, puis on l'a fait en... plus! C'est un jeu qui se joue en one sitting, entre guillemets. Je me suis pas levé une fois de mon 5 heures de jeu, à part pour aller chercher une bière, mettons, là. Fait que c'est un excellent jeu. Dans le fond, je vais vous montrer des images, puis je vais vous en parler. Donc, dans le fond, ce jeu-là, A Way Out, c'est un jeu d'évasion de prison à la base. On va jouer 2 personnages, et la particularité du jeu, c'est que on va jouer simultanément, mais pas la même section de l'histoire à tout moment, en fait. Pendant qu'un gars fait quelque chose, l'autre va aller distraire un garde ou faire d'autres actions. Donc, t'es pas dans la même scène nécessairement en même temps, qu'on peut voir ici en ce moment. C'est un jeu de Joseph Fares, qui est le réalisateur derrière Brothers, A Tale of Two Sons. Et c'est également un gars qui s'aime beaucoup parce que c'est le personnage de droite, c'est son visage, c'est sa voix, c'est son mocap. Son nom revient souvent dans le générique à Joseph Fares. Et c'est pas nécessairement une bonne chose, je vous dirais. Bon, ça y est. Voilà. Donc, OK, c'est un jeu d'évasion de prison en coop. C'est le 1/3 du jeu, en fait, va se passer en prison parce qu'on le voit là, dans les cinématiques. C'est que c'est pas toujours en prison. Ah. J'aurais pas, en fait, de spoilers pour le jeu. À part un petit truc qui est dans la première 5 minutes du jeu, on voit un pénis dans le jeu. Et je pense que c'est une première depuis Custer's Revenge. Non. GTA, on n'en voit pas assez de GTA pénis. Episodes from Liberty City sur console avait une scène de pénis très gratuite. En tout cas, là, on voit Hot Coffee. C'était une réponse un peu à Hot Coffee, une blague qu'il avait faite dans The Ballad of Mais moi, je serais d'accord qu'il y ait plus de pénis. Mais on voit un side dick à un moment donné au début. Le gars se fait arroser là, dans la prison en rentrant. Je suis témoin. Bruno aime ça, ouais. Pas que je pas. Tu sais, j'aime ça les organes féminins, mais ça manque une balance. Ah, ça manque. Ah ouais, il faut une balance. Assez cul de gars, en télé, il y a une gars, balance présentement. Ouais, dans les séries. Ben, j'écoute plus Fugueuse. Dans Game of Thrones, il y a pas mal de totons puis pas ben de verges. Ah, il y a ça, ouais, mais au Québec, on n'est pas rendu là. C'est TVA, ça. Va-t'en sur HBO, si tu veux voir la verge, là. Il y a de la verge. Écoute Spartacus. Ben, je veux pas nécessairement en voir, je veux juste qu'il y ait une balance universelle.
J'ai joué au hockey longtemps. Tu veux qu'il y en ait plus. Je lève un petit drapeau, là. C'est tout. Que tu dis, tu veux qu'il y en ait plus, mais tu veux pas les voir. C'est ça. Pour les autres, pour les autres. Donc, ce jeu-là. Tu vas te trigger ben reste. Ah ouais. Parler de pénis en début de critique, c'est une mauvaise idée de même. Là. Ah ouais. Donc, c'est un jeu qui est hyper cinématique dans ce jeu-là. Puis c'est peut-être un défaut. C'est... Ben, en fait, on le voit. Voilà. La scène du pénis, là, c'était comme là un peu scène. Plus. C'est peut-être trop cinématique dans le sens que tu fais pas tant d'actions qui vont influencer l'histoire. T'as souvent une action de chaque côté exécutée pour que l'histoire avance. Puis c'est un peu dommage parce que t'as pas vraiment de liberté. Tu vas te promener, tu vas parler avec du monde, mais jamais. Tu vas faire quelque chose que, ok, j'aurais un choix, aller à gauche ou à droite. Non, non. Si tu vas à droite, il fallait que tu ailles à gauche. Ça recommence, tu vas à droite. Fait que ça, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Tu peux pas te perdre puis faire n'importe quoi. Pas hein. vraiment, non. C'est en fait, comme là, les livres dont vous êtes le héros, mais marquez ta page puis allez voir à ben, c'est exactement. C'est un excellent parallèle, ça, Dom. Là. Bon, il y a une excellente valeur de production, par contre, puis ça vient sauver certains aspects du jeu qui sont un petit peu moins bons à cause de ça. Il y a des scènes là-dedans qui sont spectaculaires. Là. À un moment donné, on court sur un échafaudage après quelqu'un, puis t'es à l'autre bout sur un building, puis tu vois l'autre qui court dans le fond. Fait que cette exécution-là est vraiment le fun quand ça fonctionne. Par contre, il y a beaucoup de remplissage, je trouve, dans le jeu. Il y a beaucoup de ouais. C'est une glorification des quick events, on dirait. T'as énormément de quick events. Ça fait penser beaucoup à Heavy Rain, mais sans l'attachement émotif au personnage, parce que le backstory des deux personnages, c'est « Ouais, je suis en prison, j'ai une femme puis des enfants. » C'est tout. C'est à peu près ça, là, leur backstory. C'est à peu près le backstory de tout le monde en prison. Ça. Exactement. Mais tu sais, c'est intéressant que tu mentionnes Heavy Rain parce que même quand tu regardes, à part, mettons, les motions spéciales de la manette là, que tu vois à l'écran, ça ressemble au niveau en fait, de ton déplacement, la caméra. T'sais. C'est comme Heavy Rain s'il y avait des gros favoris dedans. En fait, ce jeu-là, ça ressemble à beaucoup Heavy d'affaires. Il y a beaucoup d'éléments dans le jeu. Des fois, ça ressemble à Heavy Rain. Des fois, c'est un genre de Uncharted. Des fois, c'est un cover shooter. Il fait jamais rien de vraiment bien, mais il fait pas mal non c'est plus. C'est le gars du jeu. Ouais, exactement. C'est le gars du jeu, en fait. Comme pas beau. C'est dur à expliquer, mais c'est ça. C'est que l'erreur de production va vraiment sauver le fait que c'est un peu clunky puis c'est pas nécessairement bon dans tous les éléments du jeu, en fait. Là. Mais... Pourquoi, moi, quand je cherchais du gameplay, je suis tombé sur une affaire de boîte? Je sais pas que ça cherchait. Un autre jeu qui s'appelle demain? Peut-être, je sais pas, dans le fond. Là. Okay. Bon, on parlait d'Heavy Rain. Il y a des affaires, des fois, qui sont un peu inutiles, comme « Ok, on va voler un char, faut dévisser les vis sur les pneus. » Ouais. Mais les quatre vis, ouais, tourne. Ok, deuxième vis, tourne. Puis t'as comme pas d'éléments ça de danger là-dedans. Patience. Parce que t'es en train de voler un char, puis il y a un gars qui est parti qui devrait revenir, mais le gars revient jamais, fait que l'élément de danger, il est pas là. Fait que c'est vraiment le scripté, là, tu sais. C'est okay, un peu cheap pour rajouter. Ouais, c'est ça. Quand ton playthrough a duré une heure, dis, hey guys, faut rajouter du stock, ben, peut-être dévisser des vis. Chris, de la pêche à pêche chaude. Ouais, il y a de la pêche au bâton. Bon, ça, il y a beaucoup de. Chris, t'as même un bébé. Est-ce qu'il faut couper virtuellement le cordon? Non, ça, c'est déjà fait, par contre, là. Ben, oui, donc, il y a un problème, en fait, avec les dialogues aussi dans le jeu, à un moment donné, c'est que. Quand tu parles à deux personnes en même temps, parce que tu vas jouer à gauche et à droite, ben il y a un dialogue qui va prendre le dessus puis qui va être auditif, mais les deux ont des sous-titres. Sauf que des fois, la personne qui va faire l'action qui déclenche, dans le fond, le reste du jeu, va être pas en audio, en tout petit dans un coin. Je trouve ça dommage. T'sais. Si c'est l'action que je suis en train de déclencher qui va faire avancer l'histoire, mets-moi là en gros, mets-moi comme celui-là en prédominance. Puis ça a été un petit problème, en fait. Puis les dialogues sont insipides au bout. Mais il y a quand même... Des gags popés, le moment donné, t'es sur un seesaw, là, un genre de balançoire à deux côtés, puis si les deux s'assoient en même temps, tu débloques un trophée gold. C'est comme, hey, on est assis comme deux épais, qu'est-ce qu'on fait? Levons-nous et on s'en va. C'est quand même bien. Ça, c'est le fun, ça. Il y a eu quand même une couple de bonnes passes comme ça, de comédie. En fait, j'ai trouvé que le gros problème du jeu, c'est que le jeu se prend trop au sérieux à certains moments, puis ça devrait pas. Puis Joseph Fares, en fait, se prend pour Kojima, puis il aurait peut-être dû engager des scénaristes parce que. Le point faible de ce jeu-là, c'est l'histoire, selon moi. Le backstory est moyen intéressant, puis pourtant, c'est un jeu qui est story-driven, fait que ça aurait dû être vraiment mieux ficelé que ça. Mais bon, je le répète encore, là, le production value du jeu vient vraiment sauver. Il y a des affaires, des fois, que c'est incroyable. Il y a un combat dans un hôpital, à un moment donné, que tu le joues simultanément, séparément, ça se recroise, la caméra passe dans des caméras de sécurité, puis c'est vraiment, là, il y a des bonnes passes. Fait que les moins bonnes passes, sont oubliés par les meilleurs passes, en fait. Ils viennent le racheter un peu. Le dernier tiers du jeu vaut vraiment la peine. Puis là, je vais pas vous spoiler rien ou vous gâcher de punch, mais restez jusqu'à la fin. Il y a une vraiment bonne twist. Si vous jouez avec un ami sur un divan, c'est encore plus hot parce que la twist fait que ça se peut que vous vous pogniez un peu là, les deux à la fin. Malheureusement, la fin est gâchée par la fin elle-même. Il y a un épilogue de comme 20 minutes pas nécessaire après que le jeu soit fini. Puis j'ai fait comme...
C'est parce que tu fais un jeu ou tu fais un film, décide là. Ouais. Tu peux pas faire les deux. Mais bon, le jeu va durer environ 5h à 5h30. Si j'avais payé le jeu 80, ça m'aurait un peu laissé sur mon appétit. Par contre, le jeu est 39,99, fait à ce prix-là, ça vaut vraiment la peine. C'est une très bonne expérience. Puis j'ai deux billets de cinéma. Ben oui, deux billets de cinéma. Puis c'est une bonne soirée avec un chum sur un divan là, à faire un jeu au complet. Side by side. Un vrai, vrai bon local co-op, couch co-op en fait. Et pour toutes ces raisons, je lui donne un 7,5 sur 10. Oh, c'est bien. C'est pas excellent, c'est pas mauvais. C'est un jeu à jouer si vous aimez le style. Puis si vous avez vraiment un ami avec qui jouer à ce jeu-là. Un vrai 7,5. Un vrai de vrai 7,5 en plein milieu de d'un 6 et d'un 10. Là. Non, il aurait dû prendre le gars qui est, tu sais, le Joseph pour faire Joe. Comme les 7 pistes du jeu. Mais genre, tu sais, engager Xavier Dolan pour faire les dialogues, ça serait ouais. Cool. Tu sais, du monde qui s'estime ouais. Tout le temps. Ah, le gars, il avait un t-shirt là, G-Star, là, genre, il est pas vraiment. Si vous le replacez pas, c'est le gars l'année passée au E3 qui a crié fuck the Oscars. Ouais, ouais c'est ça. C'est lui, ça. Puis il a dit, si vous aimez pas mon jeu, je vous rembourse. C'est un gars respectable, ça. Ouais. Je sais pas, ça a l'air d'être un genre de cinéaste un peu déchu, je te dirais. C'est ça. Qui a jamais réussi à faire des films. Mais en même temps, Brothers: A Tale of Two Sons, t'as un jeu qui est primé partout. Là. Tout le monde a adoré ça, c'était vraiment bon. Moi aussi, j'ai vraiment trippé. Mais ça reste quand même très bon. Là. Mais la question est, pourquoi, avec tout ce succès et cet argent-là, ils s'achètent pas de linge? Bonne question. C'est parce qu'il n'y a pas de loot box dans le jeu, c'est pour ça. C'est ça. Il y a le cash et pas. C'est des chandails G-Star de chez Winners, tout frippé. Ah, il y a le sang chaud. Ouais. Mais attendez-vous pas à quelque chose de révolutionnaire, mais par contre, le fait de jouer simultané, mais de faire des actions différentes, c'est vraiment le fun. Puis c'est une bonne porte d'entrée. On dirait que tu peux aller plus loin que ce style de jeu-là. Puis lui, peut-être qu'il a mis un milestone, ou je sais pas, tu sais, comme, OK, ouais, voici, on peut faire ça, la barre mais assez haute. Maintenant, parce que l'idée est intéressante. Maintenant, pognon au scénariste qui fait du sens, puis... Sérieux, Xavier Dolan, est-ce que ça serait drôle, ça serait bon. À un moment donné, c'est un cover shooter dans le jeu pour aucune raison. Tu sais pas pourquoi, ça devient un shooter, puis là, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est un peu mal exécuté, mais c'est pas trop pire, ça marche pareil, fait que tu le laisses passer, puis... histoire quand même mais intéressante. Oui. Fait que, bon, ben, Michael ça. Dit dans voilà. Le chat un autre cinéaste raté comme Kojima. God. Shots fired. Shots fired. Ouais, Kojima. Overrated. Mais pour en revenir sur les chandails, Dominique, tu sauras que des fois, t'oublies qu'ils t'ont dit que le marketing allait venir tourner un documentaire ou quelque chose de même, puis t'as pas mis ton plus beau linge. Ah, mais. Je parle ici expérience vécue. Ou t'avais mis ton chandail j'aime les bières froides et les. Les femmes ouais. Écoute. Ben, ça sent le têteux avec une grosse moufette. Ouais. Ou des jeux de humeur design. Ouais, des humeur design. Ou ben des. Hey, on enchaîne, guys. Des nachos. Toute une bande dessinée dans le dos. Avec des pantalons orange. Cool, des pants orange avec des patchs et les genoux. Ah, faut j'arrête d'en parler, je travaille pas. Ça va neige hors la loi. Ça va devenir orange. Oui, c'est un chandail, un coat hors la loi. C'est une casquette en feutrine. C'est pas mort. Hey guys, no fear, no fear. Hey, pas mort, Nick, orange avec ça encore. Tant qu'à ça, mettez-vous des moustaches. Ouais. Oh! Hey, on en a pas. On en a tous pas. On en a... Dom a choqué à moustache. Alors, guys, Jeff, tu gardes au moins la moustache pour asseoir. Non, il y a Jeff, on oublie toujours Jeff. Bon, mais toi, et voilà. J'ai une belle dame. Voilà. Moi, dans le fond, ce que je vais vous parler, c'est une histoire touchante de persévérance, en fait. Parce que j'ai commencé ce top-là en octobre 2016, OK? Ah, ouais. J'étais supposé sortir ça sur le blog, puis il dormait. C'est vrai. Parké, non publié dans le blog. Puis là, mané, tu sais. J'avais pas joué de nouveaux jeux, en fait, j'ai joué des vieux jeux. Puis là, j'étais comme, ah man, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que... Là, j'ai dit, écoute, dans vie, une résolution que j'ai prise cette année, c'est finir ce que tu commences. Et j'ai décidé de terminer ce top-là, qui était à l'origine un top 30. Bon. Fait qu'il a fallu que j'en enlève un 30 peu. 30 moustaches. Ouais, vous m'aurez haï. Wow, il y a de la recherche en ouais, c'est ça, mais il y avait trop de top. Fait que là, j'ai réduit ça à un top 20. Fait que là, aujourd'hui, wow, 20 je vais vous présenter quand même, les 20 meilleures moustaches. Hey, sérieux, 20 moustaches. Sérieux, c'est vraiment. C'est quand même. Attends, je vais m'installer en mode relax. Dis-moi là ton titre, Nick. Les 20 meilleures moustaches du jeu vidéo. Voilà. L'écho pis tout. Ok, je suis prêt. Alright. Fait qu'on va commencer avec ma mention spéciale. Ma mention spéciale à 20. J'ai pas pris le bon. Ouais, c'est pas grave. En fait, j'ai 21, mettons. Il faisait partie du top 30, mais il fallait que je le plug. Ça, c'est Rugal de la série King of Fighters qui, non seulement a une moustache, mais il y a du filet dans son chose. Lui, c'est comme le bad boy méchant
On dirait comme un copycat de Ken, mais genre, ben, bootleg Ken. En là, fait, t'sais. C'est comme le monsieur bison de King of Fighters, dans le fond. Ouais, c'est moi, je fais penser à Ken au bout. Ben, il ressemble un peu à Ken, mais ce gars-là possède aussi une panthère noire comme bête. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un d'intéressant. Hey, j'aimerais ça être ce gars-là, moi. Je le regarde, puis je suis comme. En plus, il fait ça. Je l'envie un peu. Il porte ça. Ouais, c'est vrai, il joue de la guitare. Il porte la camisole avec la confiance de quelqu'un que je serai jamais. Cheveux blonds, moustache noire. Il est riche, puis il a un œil cybernétique. Jamais. Tu peux avoir du fil à ton chandail quand t'as des bras gros de mec. Exact. Aussi, là. Donc, exact. Là, c'est Rugal parce que. En tout cas, je voulais le plugger quand même. Là, on va commencer avec. On le salue. Le véritable top. Voilà. Ok, là, moi, en 20 émotions, une des moustaches qui nous a marqué le ça plus. Ça part fort. C'est l'oncle de Link dans Link to the Past. Toujours une figure mythique qui nous donne notre épée et notre bouclier en commençant cette. On recommande aux gens d'écouter la. C'est au moins cette section-là. Ah ouais, vraiment. Les images sont là. Mais c'est l'oncle de Link. C'est une des belles moustaches de Zelda qui nous en a donné plusieurs. Ouais. Mais tu sais, elle est marquante et touchante. Ton oncle, c'est un spoiler qu'on peut donner après plusieurs années. Parce que c'est le début du jeu. Ton oncle qui allait sauver la princesse Zelda meurt dans un égout, littéralement. Ah ouais. Puis tu sais, il nous dit va sauver la princesse. Puis il nous donne ton épée. Qui est quand même assez décente et un bouclier. Puis là, tu sais, c'est touchant cette affaire-là. Tu sais, moi, je suis comme. Aïe, tu sais. Ça a inspiré. Wow, ça aurait pu être mon père. Ouais, ça aurait pu, hein, mais. Bon. Numéro 19, en fait, on va regarder. On est rendu juste à 19. Sir Amerlock de Borderlands. Il a été introduit à Borderlands 2 comme un NPC. Puis il était vraiment populaire. Puis il a eu son propre DLC. Il est cool. Big Hunt Game. Mais regardez ça. C'est pas une moustache, on appelle ça un Wilfred. C'est un Wilfred, ok. Ouais. Mais quand t'es fave. Touche ta moustache. C'est ça. Ah non, quand ça se rejoint, là, c'est un coup, t'as comme une explosion. C'est une autre catégorie. Il se forme un autre trou noir dans l'univers. Là. Ok, on y va avec le numéro 18. Wario et Luigi. Je voulais pas Wario et Waluigi. Waluigi. C'est des frères, je me suis dit, on peut mettre ça ensemble. Sont pointus, il y a une twist, t'sais. C'est pas littéralement les autres frères qu'on verra peut-être plus tard, on ne sait pas. Mais. Il y a quelque chose, on peut pas ignorer ces gars-là. Ils ont amené une nouvelle twist de moustache dans la franchise. Waluigi a sérieusement besoin de son jeu. Ah oui, il est temps. Moi, j'aimerais ça que ce soit Waluigi's Mansion, mais tu sais, ce soit comme genre une espèce de Cribs, MTV Cribs, là, genre la cabane avec un sol pas fini, mais genre une télé de 76 pouces. Un frigidaire plein de monsters dans le coin avec des frigos vides. Le plus gros douchebag racaille de Beverly Hills, Waluigi. Ah, ouais. C'est un mélange avec un jeu comme Larry en même temps. Exactement, il essaie de scorer des filles. On aime l'idée. Numéro 17, Draven. Pour ceux qui ont joué beaucoup trop à League of Legends comme moi, c'est la meilleure moustache de League of Legends. Tu sais, il la caresse des fois. En deux parties. C'est vrai, en deux parties. Il peut vraiment la. Quand il se mouche, il y a zéro problème. Là. La friser au bout, là. Fait que tout va bien. Numéro 16, Yang Fang Leiden. Final Fantasy 2 en Kratos Amérique. Kratos des pauvres. Oui, ça c'est dans Final 2. On dirait Karnov, mais c'est celui que tu l'as mis à coups de poing après. C'est l'image. Karnov Next Gen. C'est l'image un petit peu un rendu moderne. Dans le fond, on peut le reconnaître de façon pixelisée. Mais il y a définitivement une belle moustache et une super couette avec un crâne rasé. Mais dans cette série-là, pour ceux qui aiment Final 2, là, ils ont refait tous les personnages comme réels de même. Là. Ouais. Puis Edge, tu te rappelles notre top de ninja qu'on a fait dans nos débuts? Ben Edge, c'était le même illustrateur. Ça, man, c'est vrai. Il est cool. Beau, là. Cette image-là de Kane, Edge là, il est comme point. Cécile, Ken, sont écœurants. C'est pendant, cherchez ça sur Internet. Ouais. Alors, numéro 15, Sir Galahad. Du excellent mais court jeu The Order. C'est un bon jeu, là. Tu réveilles les morts en prononçant The Order. Va revenir, moi, je le prédis. Mais ce jeu-là, il était excellent, mais à plein prix, c'était un peu frustrant parce que c'était pas assez long. Mais c'était un très bon jeu. 5$. Vous pouvez souvent le ramasser à 5$ au PS Store. Mais c'était quand même une belle moustache, tu sais. Puis l'ambiance de ce jeu était très moustachue en général. Exact. Numéro 14, Master Onion. Parapa the Rapper. Kick encore and punch, une fois. It's all in the mind. If you wanna test me, I'll show your friend. Que dire de plus? Merci. Bravo. Je l'ai joué ce démo-là, man. Parce qu'on a tous joué le démo sans acheter le jeu, sauf Bruno. Ah non, moi je l'ai acheté trois fois. Ouais. Donc, mais super moustache, on s'en rappelle. Ouais. Numéro 13,
Kadabra et Alakazam. Bravo, deux tu vas loin, bravo. Ouais. Tu écoute ça, là, c'est de la moustache. Alakazam, je savais pas inoubliable. Qu'il y avait un bonhomme. Ben oui, parce que tu sais, on regarde, tu peux prendre Kadabra normalement, mais quand. À l'époque, au ben, Pokémon original, Abra, il n'y a pas de moustache. Ouais, Abra, c'est la version. Ben, c'est la première version. La première version, mais si tu le fais évoluer dans ton jeu, le premier Pokémon, puis il devient Kadabra et tu dois l'échanger à un ami. Et pendant que tu l'échanges, tout de suite après, il se transforme à Alakazam. Fait que ça prenait un link avec le Game Boy. C'était malade. Ça, je savais pas. Mais ici, par exemple, c'est Pokémon Go qu'on voit. Oui, j'ai mis Pokémon Go parce que les images étaient mieux que le rendu pixelisé. Ah ouais. Bon. Ça sortait mal. Bravo. Numéro 12. Oh, Bald Bull. Bad Bull. De la série Punch Out. C'est pas Bad Bull. Bald Bull. Pardon. Le bœuf. Le bœuf chaud. Le bœuf chaud. Ouais. Il y a plusieurs belles moustaches. Tu sais, comme. Ben, Von Kaiser, il y en a une popée. Von Kaiser, il y avait Soda Popinski. Tu sais, mais je me suis dit, je vais en prendre un mythique, tu sais. Puis spécialement avec son charge et ce qui se passe après. Donc, tu sais. Ouais, puis. On s'en rappelle. Gros faves en plus. Ah ouais, il est vraiment hot. C'est un turc. C'est mon turc préféré de tous les turcs que je connais. J'en connais juste un. Mais il y en a un autre turc que tu vas voir dans le top bientôt. Numéro 11. Captain Price. Oh man, Captain Price. Call of Duty, Modern Warfare. Mais dans toutes les Call of Duty, Captain Price. Ben. Il a commencé à être introduit dans Modern Warfare, en fait. Il semble qu'il était ton entraîneur. Il semble que c'était... Tu penses, en tout cas? Je pense que ouais. Je l'ai été introduit à Captain Price. C'est comme le personnage qui revient souvent, là. C'est leur... Ben, oui, il revient, mais en tout cas. Il a une belle moustache. Ouais, c'est ça, moustache brit, là. Il me semble qu'il a même un accent scottish ou british. Il a l'air de ça, en fait. Mais c'est un entraîneur de drill qui te donne la chenoute parce que t'es pas bon au début quand tu commences. Il a pas l'air de t'aimer. Fait que non, un bon petit gars. Fâché. Numéro 10. Le prix à payer. Peggy à moustache de la série Angry Birds. On a tous joué sur notre téléphone. Il ressemble à Flanders. Oui, c'est vrai, il a l'air de Ned Flanders. La moustache de Ned Flanders. Mais tu sais, c'est un jeu-là avec l'oreille caractéristique. C'est sûr, là. Si t'avais un téléphone, là, je sais pas, 8 ans, t'as joué à ça. Oui, exo. Nice. Ok, on parle d'un autre turc. Non, il fallait. Je pensais qu'il était turc. Il est pas Karnov. Mais c'était pas Châtelet, là. Écoute, une autre moustache épique de l'époque NES et arcade. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ça, c'est une virilité. Sérieusement, incarnée, là, cette pochette-là est tellement malade. C'est tout le premier tableau qui est sur la pochette. Tout est là. Ce no jeu-là bullshit. Est épique. Là, c'est juste un excellent jeu. Si l'artiste jeu. Avait vu le deuxième tableau, là, ça aurait explosé. Ah ouais. Excellent, excellent. Ah, numéro 8. Ah, oui. Préféré, ça. Dudley, ouais, personnage que j'adore à Street Fighter. Il est tellement sophistiqué et gentleman, comme on parlait tout à l'heure. Vraiment, là, un homme riche qui boit du thé. Et qui. C'est un, puis il porte pas de fedora, lui. Il est cool pour ça. Non, je l'aime beaucoup. Ouais. Il a l'air de prendre soin de sa moustache, lui, un pugiliste. Lui, contre Balrog, c'est tout ça beau à voir. Ce qu'il avoir, faut dire aussi, c'est qu'il y a comme la petite coupe hipster qui est devenue à la mode dans les dernières années, mais il était comme vraiment avant tout. Il l'avait tout de suite à Street Fighter. Il y a un twirl dans la moustache, puis dans le toupette en plus, en même temps. Il l'avait, c'est excellent. Lui, s'entretient, son corps, c'est incroyable. Numéro 7, on reste chez Capcom. Ah oui. Agar. Si elle est triste, cette photo-là, je trouve. Ça, c'est. C'est dans le jeu quand tu le sélectionnes. Non, c'est pas la meilleure il image. Il voulait pas être là. Que, mettons, quand tu le vois en illustration, là, elle est vraiment carrée et grosse. Ah, ouais, le maire Coder du Capcom Universe. Si Coder aurait voulu cleaner un schlager à l'époque. Si j'étais maire, là, je me promènerais de même en Final Fight Coder. Make it happen. On aimerait bien le revoir dans un jeu récemment. Il est dans les CVS, mais bon. Oh shit! Numéro 6, Victor Sullivan ou Sully pour les intimes. Oui, c'est quoi, c'est qui ça? Lui, c'est dans Uncharted. C'est. Dans c'est, fond, ton body, un petit peu filou, amusant, qui fume un cigare. Un vieux vicieux, là. Ouais, il est sympathique. C'est un mononcle cochon, on peut dire. Mais avec il parle de Montréal puis des bords de danseuses. Avec un bon cœur. Tu sais, ce gars-là. Il a sûrement gagné son avion au pool ou quelque chose. Il est pas net. Là, ouais, il y a tout quelqu'un de pas clair qui l'attend quelque part. Exact. C'est comme un Han Solo. Là, mais... Ouais, exact. Numéro 5. Ah ben oui. Yashi Mishima. Ouais. Le papa, le grand-papa le plus dangereux du jeu vidéo. Il est méchant, il est furieux. C'est un grand-papa. Ah ouais, Heihachi, en fait. Ouais, Heihachi. Il a des os, c'est true. Ah ouais, impossible d'ignorer cette moustache et son pouvoir d'attraction. Numéro 4. Ah ouais, belle Solid celle-là. Snake, mais circa Metal Gear Solid 4.
selon moi, la meilleure moustache qu'il a possédée. Ça fait tellement drôle de voir Snake avec une moustache de même. Ah, mais je trouve ça parfait. C'est quand même, garde, c'est viril, tu sais. Je veux dire, ce gars-là, il manque un œil. Il est musclé, il a un suit bionique. Wow. T'sais, tout est là. Il s'en calisse pas mal de ce que tu penses. Et puis d'ailleurs, il fumait, tu sais, entre les pauses quand tu l'audais, tu sais. Fait qu'il se tabarnouche de tout. Numéro 3. Ouais. Dr. Wheelie, d'une série, ça se peut que vous la connaissiez, Megaman, Rockman pour les Japonais qui nous écoutent. Rockman! Et en fait, c'est juste une bonne moustache. Il y a des bons cheveux. On voit un petit look avec Heihachi. C'est comme un duplicate des cheveux. C'est mais ça, c'est la même affaire. Deux chauves-souris en poids. Il a vraiment l'air d'un... C'est tellement ça. Il a l'air d'un vraiment un gars qui ferait des robots fuckés. Il a l'air vraiment méchant. D'ailleurs, ce personnage-là était inspiré Albert Einstein. Et la rumeur veut que, étant donné qu'Albert Einstein et certaines de ses études aient pu mener à la création de la bombe atomique, c'est lui le pas bon, le méchant. Ouais, mais lui, c'est à cause. Est-ce des rumeurs? Tout ça est arrivé à cause d'un concours de robots avec Dr. Light. T'sais, c'est juste pour ça qu'il a parti ça, cette affaire-là. Fait que c'est horrible. Ça part là, d'une étincelle. Ouais. C'est juste ça part de son obsession. Quand tu perds, tu perds. Faut pas que tu te fâches, comme on disait. Pense à ton prochain. Exactement. Moi, ce que je me dis toujours la nuit quand je me couche, c'est quoi les robots de Dr. Wily qu'on voit, qu'on a jamais vu, tu sais? Ouais, hein? Genre robot supplice, robot, tu sais, genre... Ça nous fera un sujet. Ouais, des robots, des... Ouais, on devrait... Gardez ça en note. Gardez ça en note. Chocolate bonne idée. Tout à fait. Numéro 2. Ah ben, Christy. Dr. Robotnik ou deux Eggman. Explosions de chaque bord. Je suis content que tu l'aies mis après Dr. Wily parce que nous, on a comme un rêve qui a mené un jeu, un crossover Dr. Wily versus Dr. Robotnik. Ça serait hot, en effet. C'est clash de moustache. Ça serait fort. Pourquoi ils les mettent pas dans Smash, les deux? Écoute, Robotnik, il y a de quoi à faire. Mais les deux, on les deux voyous, là. Sonic et Megaman sont dans Smash. Fait que là, tu sais, peut-être le prochain move, c'est ça. Il me semble. On va attendre Nintendo et le prochain Smash, là. On va voir c'est quoi le line-up. Et le numéro 1 qui était prévisible à l'avance, impossible d'ignorer. Ouais. Mario et Luigi de la série Mario Bros. Si on parle de moustache de jeux vidéo, ça devient plate et prédictible, mais c'est pas mal eux autres qui ont la cote. On finis comme ton top sur une note genre. Bon, ben ça, c'est le bout obligé. On a pas le choix. On aimait tellement ça, voir plein d'affaires variées, puis là, ça finit. On aimait ça, mais tu sais, je veux dire, en même temps, on a une limite de emails qu'on peut recevoir par mois. Si on mettait pas un numéro 1, on aurait une série de millions de hate mail. Exact. Dans le chat, on me dit qu'il y a eu un combat Death Battle sur YouTube entre les deux docteurs qu'on a parlé en numéro 2 et 3. Fait que allez voir ça. On le pose. M'en veut pas le voir, m'en veut le jouer. On veut jouer. Ah ouais? Alright. Nice. Hey, c'est bon ça, c'est bon très travail. Bon. C'était beaucoup de recherches en fait. Ah, ouais. Moi, je te félicite d'avoir stocké ça dans 7 minutes parce que je t'en regardais aller et je croyais pas. Bon, je croyais plus 14, mais bon. On le dira pas trop. Semblait aussi. Dureté du mental. La dureté du mental. Mais anyway, là, on s'en va vers autre chose. Ah, ouais. Ah, si l'or gris. Hey, j'ai oublié ça, moi. Les aventuriers de l'or gris. Hey, On est pas obligé de le faire. Pacing. Non, mais écoute. Fais notre update, là. On va faire un petit truc le fun. Hey, c'est vraiment le bout du bloc Slack, c'est bon. Écoutez, on parle souvent, quand on parle de rétro gaming, de où trouver des jeux et tout, tu sais. Mais on parle pas On le dira pas. Non, on le dira pas, ça, on le dira pas nos secrets, mais on dit pas souvent comment bien acheter des jeux rétro. Ça, c'est quelque chose que je remarque à toutes les fois qu'on fait des événements. Il y a des gens qui arrivent et qui savent pas trop comment aborder le comment qu'on. Ouais. Comment closer le deal, comment. C'est où est-ce poignée que je devrais main, acheter? Qu'est-ce qui est acceptable? L'épaule. Qu'est-ce qui est pas acceptable? Je me suis dit qu'on allait faire un petit guide aujourd'hui, vraiment. Buyer's Guide to Retro Games. Exactement. Ouais, fait que là, cool. On va partir ça sans plus tarder parce qu'on veut pas finir ça à minuit. Non. Puis je dirais, la première règle à savoir, c'est que tout le monde parle du prix du marché et tout, là, mais le prix du marché, on s'entend, c'est un indicatif. OK? Si, genre, c'est pas une science finie. Tu sais, si un jeu, on dit que ça vaut 20$, mais que toi, tu le veux vraiment, tu sais, puis qu'il est 25$, tu sais, t'es pas en train de te faire fourrer. Tu l'as. Il est propre, puis t'es devant, là, dans une boutique X, il est là, tu l'achètes. C'est ça. Puis tu fais pas chier ceux-là qui le vendent à 20, puis tu sais. Exactement. Mais c'est surtout qu'il y a bien des gens, des fois, qui ont l'impression de se faire avoir, de faire la même, mais tu sais, on s'entend. C'est ça. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, tu sais. C'est comme, ça veut pas dire non plus que si c'est écrit sur Internet que ça se vend dans les 20$, que ça veut dire que tu vas le trouver facilement en bas de 40$, tu sais. Ça, c'est l'autre affaire aussi, tu sais. C'est comme, oui, c'est peut-être déjà vendu à 20$, mais ça veut pas dire que tu vas toujours l'avoir là. Dépend du magazine aussi. Part du principe que
est-ce que ce prix me convient et je le paierai? Si oui, ben vas-y, garde-toi. Il n'y a pas, de d'erreur dans tout ça. On parle de des 5 piastres. On parle de 2 cafés et demi chez Starbucks. Si je peux aussi me permettre, en fait, la collection de jeux vidéo et les listes de prix qui sont disponibles en général, c'est un des rares marchés de la collection où t'as pas vraiment de prix par état. Comme du mint. Non, mais c'est ça, c'est une autre histoire. Du mint, aussi, parce que des fois, si t'as une super belle boîte, ben c'est correct de payer plus cher. Ben, que, c'est évident, ouais, là. Moyen, c'est clean, nous, clean. Tandis que, tu sais, les cartes d'hockey, il y a des prix magané, correct, mint, genre, oh my god, ça sort. Ouais, là, c'est un peu selon ton désir, là. Puis ouais, c'est ça. Fait que, ça peut jouer. Ouais. Sinon, écoute, t'as trouvé ton jeu, t'as vu le prix semble te convenir. Ben là, j'arrive sur la deuxième partie, et c'est, même si t'es un acheteur et que l'acheteur a toujours raison, pis c'est toi qui as le mot final, c'est quand même important de respecter les vendeurs. Donc ça, je dis ça comme ça, tu sais, souvent, tu sais, par exemple, j'y vais de même, et tu sais, mettons, t'as un jeu à 15$, pis tu t'arrives out of nowhere, pis tu le demandes à 10$. Ouais. Tu sais, il y a des bonnes chances que ton vendeur te dise peut-être non. Tu sais, c'est comme, quand tu demandes ça, c'est comme demander un rabais de 33% t'sais, sur un item pour aucune raison autre que exact. S'il te plaît. Tu sais, il y en a qui vont le faire, il y en a qui veulent, tu sais, des fois, t'as du stock qui dort. Ben, un jeu c'est à correct. 10, un jeu à 15, me ferais-tu les deux pour 20? Tu es comme, ah, non. C'est ça. Moi, ou, parce que genre, le gars, il fait une belle sélection de 6 jeux, genre Chris ma vendeur, Mega Man 2, Turtles 2, ouais. Tu sais, genre des belles grosses cassettes, NES, Ninja Gaiden, des affaires que tout le monde veut, tu sais, qui roule tout seul. Vite. Il veut un rabais parce qu'il achète pour 70$, tu sais. Ben, man, tous ces jeux-là, je vais les vendre très facilement, tu sais. Oui. Je vais te faire des rabais si tu m'achètes du stock Wii, mettons, qui dort, whatever, mais tu sais, tu fais pas de rabais c'est sur ça. Des. Du gros vendeur, ouais. Tu sais. Si c'est là-dessus ouais, que tu fais ton argent. Si tu lui donnais une Bird versus Jordan, on est ouais, ben, ouais, s'il y avait une, gratuite au travers, je vais y en mettre une, tu sais. Ça marche. Ouais. Mais, tu sais, l'affaire aussi qu'il faut savoir, c'est, tu sais, quand le prix est déjà bon, tu sais, achète-le. Parce que moi, j'ai des expériences où est-ce que, tu sais, j'ai voulu faire mon fin fito, et le gars, hey, bon prix, il m'a demandé un deal, tu sais, quelque chose. Puis le gars, il vérifie ses affaires, puis se rend compte que, hey, Christy, j'ai pas mis ça. Le bon prix là-dessus, ça vaut bien plus cher que ça. Fait que je le vends plus, c'est fini. ça te backfire en pleine face. C'est ben, pas séparé. Tu sais, je pense que la règle d'or, comme Dom il dit, c'est quand t'arrives à 3 chiffres, tu sais, tu fais un lot, tu peux commencer à parler un peu de négocier. C'est ça. Si t'achètes vraiment la cochonnerie du vendeur, moi, si t'arrives et tu m'achètes toutes les affaires qui dorment dans mon inventaire depuis, tu sais, je te dirais 6 mois. C'est sûr que je vais être bien willing d'être plus flexible. Mais c'est sûr que comme si ça arrive avec quelque chose à 10$ puis tu me demandes de le faire à 5$, ben là, tu sais, un rabais de 50%, moi, j'ai plus d'intérêt à le vendre. Exactement. Parce que, tu sais, les items, le vendeur l'achète aussi. Donc, tu sais. Puis, de toute façon, au final, ben, c'est l'acheteur qui a le mot final. Tu sais, c'est ça. Fait que tu peux toujours passer à un autre appel. Aussi, l'autre affaire, tu t'en vas dans une convention, dans un truc de collectionneur et tout. Fais confiance au vendeur. Souvent, un bon vendeur va nettoyer ses affaires, tester ses affaires, va s'assurer que ça marche, puis surtout, s'il y a un problème, ben il va te rembourser. C'est ça. Demande la carte, demande les informations. Parce qu'il ne pourra pas salir son nom pour un jeu, moi, c'est arrivé, ça arrive une ou deux fois par année que le jeu il marche pas, whatever, je pose pas de questions. Là. Ok, tiens, je te rembourse. Là, c'est ça. Ça mais veut pas dire, venez pas me faire ça tout le temps, là, mais ça, mais. Mais tu sais, on gosse pas là pour des peanuts, là, tu sais. C'est ça, puis tu sais, évidemment aussi, ça demande qu'au vendeur de s'assurer que son matos soit propre, parce que c'est pas tous les vendeurs, tu sais. Mais à un moment donné, tu découvres les vendeurs que tu sais qui sont de confiance, des gens exact, et tout. Exact. Fais leur confiance. Tu sais, c'est la même chose avec des reproductions. Souvent, il y a des gens qui viennent te voir, puis c'est une reproduction. Si je vends un jeu rare à 300$, tu sais, je comprends que tu me poses la question, mais sur un Donkey Kong Country, si tu me demandes si c'est une reproduction, puis tu veux que je te l'ouvre pour te montrer que c'est une reproduction. C'est pas, tu sais, ça, à ce moment-là, ça, c'est un peu gossant. Dans le sens que c'est rare que tu vas faire une reproduction d'un jeu qui vaut en bas de 50$. Puis ça se voit généralement aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je pense que tu peux prendre pour garantie le mot du vendeur. Puis si jamais il y a quelque chose, tu reviens. Finalement, l'autre petit truc aussi qui est bien important, c'est toujours de prendre conscience où est-ce que tu achètes tes jeux, tu sais. Où tu vas acheter tes jeux, ça vient avec des attentes différentes et aussi des mauvaises surprises qui peuvent arriver. Tu sais, si tu vas directement dans une boutique, oui, c'est beaucoup plus cher. T'sais, tu risques de payer un peu plus cher que le prix du marché parce que, bon, le vendeur, il va avoir des frais, des trucs comme ça à payer et tout. L'électricité puis l'eau. Exactement. L'électricité. L'électricité puis l'eau puis les taxes municipales. Mais par contre, là, tu as une meilleure garantie. Tu es sûr que s'il y a un problème avec ta cassette,
le gars, il va pas fermer la shop. Puis, il se sauvera pas, là. Il va... C'est ça. Il a pas le choix de te répondre. Il est là. Garde ta facture, retourne-y, puis tu sais, garde-toi. C'est à ça que ça sert. C'est ça, c'est pour ça que tu payes plus cher. C'est pour avoir justement une garantie. Si tu vas dans un événement, dans un salon, généralement, tu vas être pas mal plus dans les prix du marché et tout, mais c'est sûr que les vendeurs ont moins de marge. Parce que tu sais, quand tu fais un événement, ta table, ça peut te coûter de 40 à 1000 $ des fois, tout dépendant des événements que tu fais. Donc c'est sûr que tu sais, couper des 5 piastres par-ci par-là, maintenant, ben, tu finis que tu manges tout ton profit au complet. Ouais. Donc oui, tu risques de pas mal plus payer le prix qui est sur la table. Par contre, l'avantage que t'as, ben, dans un événement, c'est que t'as pas juste un vendeur. Tu peux faire le tour, tu peux magasiner, tu prends le temps. Achète pas la première table que tu vois ton jeu. Fais le tour, prends le temps de voir un peu. Fais-toi une stratégie, tu sais, puis fais-toi un bundle. Tu sais, spot le gars qui a pas mal tout ce que tu veux. Fais-toi un bundle, parle avec. Tout va bien aller. Si tu passes dans les petites annonces, ah, là, tu vas commencer à pouvoir trouver des vrais deals. Par contre, c'est aussi là que tu t'en fais passer. Ah, c'est ouais. Là que tu vas te pogner ouais. Une reproduction parce que là, tu viens de trouver un lot de Little avec un Little Samson et tout. Finalement, tu te rends compte, rendu à la maison, que c'est pas un vrai Little Samson. Évidemment. C'est là aussi que tu vas attendre un gars au métro, puis finalement, il se pointe jamais. Fait que là, tu perds un bon. Ouais, c'est ça. Il y a toujours le facteur perte de temps où ben, le gars se pointe, te donne le truc, finalement, c'était trop beau pour être vrai. Évidemment, c'est pas un vrai jeu ou ben le jeu marche pas. Fait que ben, c'est tout scrap, finalement. C'est ça. C'est surtout. Là que tu commences à t'exposer à des mauvaises surprises et surtout aussi les petites annonces, ça se cachera pas, là, la compétition est pas mal plus forte. T'sais, sur Kijiji, il y en a qui passent leur journée sur Kijiji ouais. À regarder ça. Ouais. Finalement, le last step, je te dirais, là, vraiment, quand tu vas dans le top moins cher, évidemment, c'est tout ce qui est brocante, friperie, vente ouais. De garage et tout. Là, c'est là que tu vas avoir les vrais deals, là, genre les Little Samson à 10$, ces affaires-là. Ouais, ben. Parle pas de ça comme si c'était vraiment possible. Ça, c'est ça se peut. Mais... Non, c'est possible, mais peu probable. C'est ça. Exact. À ce moment-là, ben là, tu tombes dans l'autre revers de la médaille. C'est que là, c'est l'investissement en temps qui commence à te coûter cher. Parce qu'évidemment, ouais. Pour avoir les jeux que tu veux, il va vraiment falloir que tu fasses le tour extrêmement longtemps, que tu investisses beaucoup, beaucoup de temps à chercher et tout. Puis tu vas en ouais. Trouver des affaires pas le fun avant de pouvoir tomber sur ça, une pépite c'est... qui vaut la peine. Ouais, c'est impossible de trouver ce que tu cherches vraiment en disant je vais aller dans les ventes de garage. Ben, ceux qui collectionnent, tu sais, il y a des. J'ai besoin d'un Zen Intergalactic Ninja au NES pour finir mon set. Ah, je vais aller faire les ventes de garage. Non, c'est ouais. Pas possible. C'est ça. À ce moment-là, c'est là que tu commences à trouver les collectionneurs quasiment border hoarder sur les bords. Tu ramasses des affaires pas chères, tu les revends à prix confortable, puis là, tu achètes un Zen Intergalactic. Exactement. Ou encore mieux. Conseil, si tu vas être t'attends un bébé qui arrive à la fin de l'année, ben tu sais, fais vendre le garage avec ta douce pour pouvoir acheter du stock de bébé, puis en même temps, ben tu sais, sur le site, demande s'ils ont des jeux vidéo, puis bundle ça avec une poussette, c'est toujours winner. Évidemment. Plein de crachats des enfants des autres. Évidemment, quand tu vas dans une vente de garage, des fois, ça arrive que tu tombes sur madame qui te vend un Nintendo genre à 60$, le prix du Kijiji, ouais, parce qu'elle connaît son affaire. Ben, ça, je te dirais, passe. Parce que dans une vente de garage, là, t'es absolument certain que t'as aucune garantie que ça a été testé, que ça marche ouais, bien. Ouais, ça marche bien. Y'a pas de problème. Fait que, tu sais, un Nintendo à 5$, go, un Nintendo au prix du marché, là, c'est inacceptable de payer ça, à moins vraiment d'avoir une garantie que tout ça fonctionne. De toute façon, un walk-away point est souvent puissant d'une vente de garage, tu sais. Ouais, exactement. Quand c'est trop cher, tu t'en vas, attends une minute, là, tu peux souvent te déranger. C'est ça. Intéressant. Fait que, bref, la sécurité, ça se paye. Tu vas dans une boutique, tu vas payer plus cher, mais t'es safe. Si tu veux payer moins cher, plus que tu descends dans l'échelle de qualité, plus que tu vas payer moins plus cher, mais plus que tu te ramasses avec, des mauvaises plus que c'est louche. Tu trouves à des problèmes. Dans une ruelle. C'est un peu... J'ai pas de cassette. C'est un peu un principe de vie générale en tant que ouais, ben, c'est en un peu tel, ça aussi. C'est un peu un principe. Fait que tu sais, au final, dresse la ligne entre ce que tu veux vraiment, que t'es prêt à payer le prix. Après ça, tu sais... Si tu veux te donner une marge de fun de d'épicer, tu sais, tu peux te dire, OK, ben je vais aller faire un tour dans telle brocante ou faire au marché aux puces Saint-Eustache en fin de semaine, une affaire comme ça. Métro Namur en arrière d'une poubelle. C'est ça, exactement. Mais tu sais, au final, le plaisir dans tout ça, c'est d'y aller avec ses besoins, avec qu'est-ce que tu es confortable de d'acheter. Si tu connais pas ton affaire, t'es mieux de payer un peu plus cher puis d'avoir une garantie, toujours avec quelqu'un qui s'y connaît puis qui va pouvoir te guider et surtout te rappeler quand ça marche pas. Si t'es plus à l'aise, t'es plus wild style, ben écoute, go for it. Genre, essaye-toi un peu partout, mais rappelle-toi que chaque option a son prix. Il y a tellement de vendeurs différents. Bravo.
faut connaître ces bons moments. Avec Retro Montréal. Retro MTL, ils parlent que c'est pas des gainés, eux autres. J'aurais dû apporter la bannière. Oui, on vient de faire une bannière. Ah ouais, incroyable. Fred, dans le chat, t'as parlé d'aller magasiner avec un bébé qui s'en venait. On demande si c'est un scoop que tu donnes là. Ou... Non, en fait, ouais, c'est Tijo l'été passé. Ouais, ah, okay. C'est ça qui explique ce surplus de poids. J'aimais ça dire ça de quand ma blonde était enceinte. On était enceinte là. Ouais, je trouvais ça drôle. On était en famille. Moi, je te confirme que c'est quelque chose qu'on peut pas dire. Mais non, en fait, non, je suis pas enceinte. Je ne suis pas et je n'ai pas de copine enceinte. C'est tout simplement, comme je vous dis, Petit Joe qui en profitait beaucoup pour ramasser. Parce que c'est vrai que les affaires de bébé, là, honnêtement, là, c'est pas cher. Ces ventes de garage, là, le monde, ils veulent juste que tu partes avec. Ouais, genre, si tu donnes 20$ puis tu pars avec, c'est encore. Ouais, non, c'est ça. Tout, man. D'accord, laisse-moi ça d'ici. Hey. Fait qu'il nous reste un. Je vais partir de le thème. Yes. Là, on a plein de questions du public. On a 10 minutes de questions du public. Des tannantes de bonnes. On a deux pages. Ouais, vraiment. C'est moi qui vais lever. Ça va être difficile, ça. Ça va se faire très vite. Alors, on commence maintenant. Puis on a une banque, si jamais on les passe pas, on les garde en note, vos bons sujets, pour les prochains. Fait qu'envoyez-en. J.C. Goyette, je vais dans l'ordre, là. Ouais, vas-y dans l'ordre. J.C. Goyette nous demande, question très longue, quelles sont vos opinions sur la controverse des loot box suite aux sorties publiques des politiciens concernant la réglementation, les Pays-Bas qui ont passé une loi interdisant et ainsi que plusieurs compagnies les retirant de leurs jeux de façon permanente ou temporaire comme Star Wars Battlefront 2 et Middle-Earth Shadow of War. Butter Slack, c'est qu'on a parlé on de ça. On a parlé beaucoup. Ouais, on en a parlé. Moi, ce que je dirais, c'est que... Ce que je dirais, c'est que je pense que en avril 2018, si tu fais un jeu puis t'es quelqu'un dans un meeting dit le mot « Hey, on va mettre des loot box », je suis pas mal sûr que tout le monde quitte la pièce puis mette le feu à ce building là pour être sûr que ça se reproduise jamais. Ben tu sais, si je reviens à l'interdiction, l'interdiction là des Pays-Bas, là, c'est intéressant. T'sais. Mais techniquement, t'aurais dû interdire les paquets de cartes Magic. T'aurais dû interdire les collants Panini, tu sais, parce que ça a toujours été ça. T'achètes un objet, tu sais pas ce qu'il y a dedans, t'es un petit peu des cartes Pokémon, c'est tout pareil. Yu-Gi-Oh. Les cartes de hockey. Tu sais, les cartes de hockey, mais le money, c'est comme, tu sais que tu vas avoir quelque chose, mais tu sais pas quoi. C'est pas vraiment du gambling. Fait que pour moi, ils s'égarent un peu. Je sais pas pourquoi ils font ça. Mais grosso modo, bon, vous êtes toujours le consommateur. Donc, c'est vous qui êtes libre de l'acheter ou pas. Alors, fait que mauvaise idée dorénavant. Allez, on ressort le cadre. Ouais, on demandait dans le chat où est-ce qu'était le cadre de Tijo. Ben, il est dans les terrains d'ailleurs, Adam. Éric Abel nous demande, avec la sortie de God of War, Microsoft devrait-tu juste arrêter de faire... des nouveaux jeux vidéo, sachant que God of War existe. Ben, avec la note de Bruno, oui. Ah ouais, oui, hein? Vraiment. God of War, tout. Moi, je pense qu'il devrait faire du carton. Il est à l'envers. Tiens, on va le mettre à l'envers parce que. Je pense que non, c'est vous que tu l'ouvres. Moi, c'est ça. C'est mon petit Joe, là. Fait que, d'après moi, Microsoft devrait arrêter de faire des jeux. En plus, libérer Cuphead. Comme ça, je pourrais avoir ma version physique sur Switch. J'attends ça en Nasty. Ah oui. Fait que voilà. C'est rien d'où ça qu'il y a une version physique de Cuphead qui s'en vient. Il y a comme Bruno qui a comme fantasmé la Ah, mais il va en avoir partout. Il va en avoir une suite. Il va avoir une suite. Puis elle va sortir. Mais ça a tellement pris de temps à faire Cuphead 1, la suite. Ouais, mais là, ils vont engager plein de monde. Commence pas à capoter dessus. Il y aura pas juste deux gars. Microsoft aura plus les droits uniques là-dessus. Ça va être encore plus long dans ce moment-là. Ça va purjuter. Ouais, mais Sony en gagne. Ils sont déjà tous prêts, là. Ça va purjuter les Cuphead. Ouais. C'est prêt. Demain matin, ils pèsent sur le piton, c'est print sur toutes les consoles. C'est ça. Exact, c'est prêt. Ben oui, voilà. C'est prêt. Ouais. Qu'est-ce que qu'ils font ces gars-là? Ça fait longtemps que c'est prêt. Ils ont tout préparé ça. Là. Ouais, c'est un désir. Luc Arsenault nous dit, avez-vous des news sur la Genesis Mini? Ben moi j'en ai un petit peu en fait. Puis c'est assez décevant techniquement. Parce que c'est la même compagnie de marde qui faisait les autres flashbacks. C'est At Games. Parce qu'il y en a comme. Ils en sortent une par année. Là, on est tous d'accord. Parce qu'en plus, eux autres sont pas bons pour faire des manettes. Là. Ben, ouais, non. C'est léger, ça avait déjà pris ça. C'est du caca. C'est léger, c'est du plastique cheap. Puis présentement, c'était juste exclusif au Japon. Fait qu'on sait pas encore si ça va être. Ah, c'est ça. Partout, ah, écoute. Attendez pas ça comme. C'est pas comme la NES. Ça sera pas une NES classique, puis ça sera pas une Super NES classique. Donc oubliez ça, achetez pas ça. Voilà. Cédric Olivier nous demande Mega Drive Mini, Neo Geo Mini, quels sont vos pronostics pour les prochaines consoles? Neo Geo Mini, oui. Alors, chez vous là, je veux des suggestions amusantes, genre 3DO Mini. Ou moi, je pense vraiment. Moi, je pense sincèrement qu'il va y avoir une Dreamcast Mini qui va sortir bientôt. Un affaire de memorabilia de Dreamcast. Que 16 bits. Ils font, totalement. Ils font des compilations de Dreamcast présentement pour PS4. Puis c'est vrai. Ça m'étonnerait qu'ils fassent une mini. Moi, je pense. Si t'as raison, comme l'impression que c'est trop de data à mettre dans un. Ce qu'on va voir, je pense, ça va être une Gizmondo mini. J'allais dire la même joke. Est-ce qu'il me vole mes gars avec ce gars-là?
peux même pas écrire dans le même blog. T'es clairement lu dans tes pensées. Gizmondo Mini. Mais ouais, écoute, j'ai plus de gag de console poche. Là, la Philips CDI Mini. Non, mais moi, j'aimerais vraiment avoir, sans joke, là, une Sega Master System bien exécutée mini. Ça serait bien. Il y a quelques jeux, puis j'en veux pas de Sega Master System. Puis ça me tente pas de jouer sur Genesis. Moi, j'ai une flashcard qui est juste. Mais avec la bonne manette, celle qui a le fil sur le dessus, pas sur le côté. Ouais, puis qu'il y a un piton start dessus. Là, on est d'accord que c'était cute dans le temps, mais là, on peut mettre le piton start, ça va naître. Ah, il y a de quoi à faire. T'es-tu si paresseux que ça? Mais si c'est la même longueur de fil. Si c'est la même longueur de fil que la NES Mini, t'as pas besoin. Tu peux juste étendre. S'il vous plaît, mettez des fils assez longs sur les manettes juste pour nous éviter tout le drama. Moi, sur Internet, il y a des problèmes comme ça que je peux plus affronter dans Benoît Tremblay nous demande, selon vous, quel est le pourcentage de jeux que vous possédez auquel vous n'avez jamais joué? C'est dégueulasse, Benoît, de poser cette question. Moi, techniquement, je les teste tous au moins une fois. Moi, j'ai testé tous au moins une fois, voir s'ils marchent, puis j'essaye un petit peu. Puis quand je vois que ça marche, j'essaye, ça va sa tablette. Il y en a que je ne rejouerai jamais. Tu sais, comme Cool Spot au Nintendo, là. Non. Ah, moi, man, il y en a pas trop, là. Moi, je joue à tous les jeux, j'achète. Si on parle de notre backlog de Steam, c'est une vraie honte. Ah non, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est Humble Bundle. Ça, c'est un cheat, là. Ouais, moi, c'est peut-être 20% que je joue. Puis le reste, c'est ça. C'est du Humble Bundle. Tu veux un jeu là-dedans, t'en reçois 6 autres. Hey, désinstalle pareil. C'est ça, aujourd'hui, il y avait un Humble Bundle Capcom Sega. J'étais comme, Chris, je pars pour l'acheter. Puis genre, juste avant de cracher, c'est 11$. On parle de 11$. Ouais, c'est 15$. J'ai arrêté. J'étais comme, dans le fond, il y a juste Mega Man Legacy. Puis des Resident Evil que je jouerais pas. Puis des jeux de PS3 que jamais je vais aller downloader Valkyria sur ma PS3. Valkyria Chronicle. Ouais. Au PS4, le remastered vaut la peine. Ça, c'est 15$. C'est 15$. Ouais, j'aime pas trop les turn-based comme ça. Je suis pas vraiment capable. On a l'original à vendre chez Retro Montréal. On a-tu vendu? Je sais pas. Un beau jeu. Un excellent jeu. Emmanuel Maillot pose une question qui me touche beaucoup personnellement. Pour les jeux virtuels seulement, en achetez-vous ou vous attendez longtemps toujours dans l'espoir qu'ils sortent physiques? Moi, je viens de me faire crosser avec Steam World Dig 2. Je suis en tabarnak. Fait qu'à cette heure, j'achète plus rien. Là, je veux pas le jouer au jeu à l'Est. Ouais, Céleste. Céleste. Je prends à l'Est. À l'Est. Le médicament blessé. Oh my god. Céleste. Je veux jouer à Céleste. Et je le download même pas parce que j'attends la copie physique. Moi, je veux des copies physiques. C'est pour la collection. Ah, c'est fou. Mais si tout le monde se calise de ça, bien sûr. Moi, je veux plus rien de physique. Je veux juste du digital maintenant. Des fois, j'hésite, en fait, comme, admettons, God of War avant de l'acheter. Je me suis dit, je vais peut-être acheter. En 10, comme ça va être plus rapide de l'avoir. C'est surtout que tu vas le prêter, après tu vas être fini. Ouais, mais c'est parce que moi, en fait, c'est que quand j'achète. Ouais, mais quand j'achète physique. Prête pas. Quand j'achète physique, j'ai tendance à délaisser le jeu à un moment donné quand je me tanne. Puis quand je l'achète digital, il est sur ma console. Fait que tant qu'il est pas 100%, c'est des problèmes de riche. Je lâche pas. Tu parlais du Python Start, mais là, faut qu'il change le CD. Changer le disque. Ouais, exact. Ouf. Moi, personnellement. Non, mais j'avoue que c'est gossant un petit peu. C'est gossant à changer le disque. PC, là, j'achète plus jamais rien de physique, ça se peut plus. Ben non, mais non, ça, c'est ridicule. T'achètes des boîtes, t'achètes. Jamais, je les ai gardés. Le dernier jeu que j'ai acheté physique sur PC, c'était Diablo 3. Puis finalement, on t'achète ça, tu mets le disque, puis ça part un. Sur le disque, il y a un exécutable qui part un download. Ah ouais. J'étais comme tabarnak, ça valait la peine d'aller au Best Buy. Mais honnêtement, si j'ai une copie physique et digitale, je vais toujours prendre la physique. Mais je vais pas attendre. C'est comme si le jeu est juste digital, je le pogne, puis à un moment donné, je suis comme Ouais, mais ça, tu le sais pas. Moi, j'y vais comme c'est ça. C'est pas grave. La Switch est tellement hot qu'elle sort toute physique. Ouais, ça, c'est fou. Mais c'est y a plus rien problème. Des copies physiques, c'est ça l'affaire. Tu sais, sur Switch, c'est le fun, c'est les gros, là. Les triple A, tu peux les prêter. Ça me dérange même pas. Moi, j'étais carré d'acheter des jeux à 90$. J'aime ça emprunter les jeux au monde, puis d'en prêter. Chris, j'étais carré de payer 90$ pour 10 heures de jeu, là. On peut-tu? Simon Lahaye nous demande une bonne histoire dans un jeu. Est-ce que c'est important pour vous? L'histoire, est-ce que c'est autant important pour un jeu rétro? On l'a vu dans A Way Out, c'est important, ça peut gâcher. Ça dépend. Ça dépend du jeu, je trouve. Dans un jeu rétro, ça paraît pas vraiment toujours nécessairement. C'est correct. Ben, t'sais, non, je pense que. Pour les nouveaux jeux, c'est le fun. C'est le fun, c'est mais comme, des c'est fois. C'est un très beau plus-value. Là. C'est un plus-value, mais des fois, moi, il y a des jeux, j'avoue, où l'histoire était vraiment épouvantable, puis le jeu était super ben, c'est le ça. Fun. Fait exactement. Que c'est correct, moi, je joue à des. Ben, oui. Moi, je consomme mes jeux vidéo comme la porn. Moi, je suis là pour l'action. Ouais. Tu sais, si la narration est bonne, tant mieux. Si l'action est bonne, c'est encore mieux. Ben, ouais, c'est ça, exact. Pour un RPG. Ouais, l'histoire est clé, là, tu sais, parce ça, que c'est long, longtemps, sans pas le gameplay qui avec une histoire minable, tu sais. Fait que ça, il y a des types de jeux. Éric Théroux nous demande, les démos jouables en magasin, c'est fini?
Où, maintenant, on voit seulement des extraits des jeux sur les TV. Ben, démo de labo me semblerait vendeur. Je pense qu'il y a juste plus de démo tout court. Les développeurs prennent plus de temps. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas été sur un jeu qui ont fait comme... Ok, ouais, pour la. Tu sais, on a un meeting qui parlait de la démo, des affaires-là. Tu sais, il n'y en a plus de démo tout court. Ouais, c'est dommage. Tu parlais d'un parapet de rapper. Là. Combien de monde n'ont pas acheté le jeu à cause que le jeu. On a fini le démo, puis le juste problème avec tableau. Les démos, l'économique du démo, là, c'est que si tu le sors en même temps que ton launch date, puis que des gens vont prendre une décision dessus, à ce moment-là, tu vas probablement pas vendre autant non, de copies. Non, c'est clair. Là. Fait que là, c'est vraiment une question mercantile. Mais ce qui était le fun, là, moi, j'aimais beaucoup, genre, dans le temps de la 360, il y avait beaucoup de jeux auxquels je jouais, que tu commençais le jeu, puis là, quand t'avais fini ton tableau, il faisait comment? Ben, tu sais, tu peux unlocker c'est la version. C'est Xbox Live Arcade qui marchait ouais, le même. Ça, c'est... Ouais, c'est ça, mais il y avait même PS3, il y avait des jeux que j'ai essayé que c'était comme ça, puis tu sais, c'était comme les freeware, ça téléchargeait tout le jeu dans ta machine. Ça téléchargeait tout le jeu, c'est là tu l'achetais, ça unlockait tout d'une shot, c'était malade. Ça c'était un TRC de Xbox Live Arcade, c'est que tu tournes le jeu puis tu peux toujours sur le Xbox Live Arcade, tu devais pouvoir absolument jouer au premier niveau complet de ton jeu ou la première partie pour que justement la conversion se fasse que, tu sais, une fois que t'as fini, ben, t'avais téléchargé le jeu, tu payais sur X, tu le débarrais, tu payais, pis c'était comme ça. Oui. The game must go on. Hey, on a tout le temps pour une autre. Ah, tu peux blaster une couple de dernière, là. Ben, je peux en faire une petite dernière, là. Vas-y donc. Okay, vas-y. C'est Simon Lipschitz. Désolé si je le dis mal. Donc, j'aimerais vraiment en savoir plus sur votre stratégie pour planifier la finale de chacun de vos épisodes. Ah ouais. Explosion. Ah ouais. Tu t'en parlais, c'est un peu toi le créatif derrière ça. C'est tout comme le mastermind. Dans le fond, de la façon que je fais ça, moi, c'est que je commence tout le temps.